بكل صراحة. كل شيء ذهب ونحن مستبرشخين والله. سانك رويا بلا خرب بيتك وبيت بيتك. في المقدمة في حرف جر المقدمة يخرب بيتك وبيت بيتك يا جحش الجحوش. Voilà, Ah, comme c'est d'habitude. mieux. Ah, là, c'est mieux. Ah, allô? Oui, dis-le. Oui. Ouais. Rate la connexion, après. Ouais. Ouais. Diffusion directe hors connexion. Ouais, même Garmin n'a Le pas trouvé chat ça sur le chat. fonctionne toujours. Le chat fonctionne. Bon, alors, dans ce cas, c'est que le direct m'a ouvert une nouvelle page. Ce matin, a été. انا ما فهمتش راه وصار يديرو على ماشي الو الو لايف ديالك كومون سا سباس واش الحكايه اه تيان اوني فوالا فوالا ساي سي بون هاوليك لو ديريكت انا ما فهمتش راه وصار يديرو اسمع اسمع الو الو لايف ديالك اسمع كومون سا سباس الور je donne je vous donne je vous donne le lien. Et vous l'affichez. Je vous donne le lien et vous l'affichez flochera. Les qu'on a fait à Michi Jdida. Vous Sur le l'affichez chat? sur le chat. Le lien. D'accord. T'as un nouveau Ok. truc. Ok, moi mon Skype il bloque de temps en temps, mais je vais essayer. Alors, Nadia, t'es toujours là, toi? normalement on l'entend. On est en direct, hein? On est... Ouais. Ok. D'accord. Attends. Juste, je règle quelques petits soucis. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une déconnexion. Allez, je ne sais pas. Pourtant aujourd'hui on n'a pas dit de choses. Je Si, enfin tout à l'heure si ils avaient parlé d'Hitler, mais. Ouais, mais parler d'Hitler, ça mérite pas une déconnexion, je pense, hein. Tu sais, On peut quand même aborder le sujet. quand c'est des robots qui verrouillent, qui ont la clé sur Rennes, tu sais, les robots ils n'ont pas l'analyse de l'être humain. Après, moi, franchement, je ne suis pas un robot, mais j'étais un petit peu consterné, hein, dans ce que j'entendais, mais bon. J'ai pas compris. J'ai seulement compris Hitler. J'ai Ouais. pas su sur le chat parce que Zach il parle pas en français. C'est toujours intéressant ce qu'il dit, mais malheureusement, surtout quand il parle trop vite, je comprends pas. Bon, ben apparemment, voilà, donc on est... Allez, on va reprendre, même s'il n'y a pas tout le monde encore. Comment faire? Alors... Voilà. Pardon. Asmatov, hop, c'est bon.
pas rêve. Expédition, il y a juste comment. C'est incroyable. Allez. شحال كاين شحال رامي معنا 35 35 on peut rejoindre. Bon, bah, vous dites aux autres qu'on a changé de bras. Ouais. Mon Skype il bloque un peu, sinon je mets le lien tout de suite. Il faudrait peut-être leur dire que c'est Nadia qui va parler. Allez, c'est reparti. Bah, je suis désolé pour ce Cette interruption. cette interruption indépendante Involontaire. de notre volonté. C'est YouTube qui a fait des bêtises. Je ne sais pas pourquoi. On le saura plus tard. El Mohem, nous avons Nadia. Heureusement qu'elle n'a rien dit. Et maintenant, Oui. elle va commencer à Elle dire. va commencer à dire. On t'écoute. Voilà, donc je parlais du fait que le sujet de la femme soit un sujet très important. Je dis ça surtout par rapport aux gens qui écoutent. Bon, parce je pense que sur le live, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et que je pense que plus ou moins, on est tous sur la même, sur la même longueur d'onde, plus ou moins. Donc. Voilà, donc je voulais que les gens réfléchissent en fait. J'aimerais bien que les gens réfléchissent à ce point et au fait que c'est un sujet capital. Il en va vraiment de la survie de l'humanité telle qu'elle est. Annie, peut-être que je suis en train d'aller un peu loin dans mes Oui, réflexions. et il faut aller loin. Ah, c'est ton droit, hein. Mais voilà, donc j'aimerais bien que les gens y réfléchissent. Il y a aussi autre chose que je voulais soulever. Peut-être que c'est mon cerveau de femme ou quelque chose comme ça, mais j'ai un peu de mal à accepter le fait que à chaque fois, par exemple, qu'il y a un débat, on essaye, enfin, on passe notre temps, enfin ceux qui débattent passent leur temps à parler de systèmes, d'institutions, de réformes et différentes terminologies qui, en fin de compte, ne servent qu'à qui ne sont en fin de compte que des manières d'impacter encore plus l'être humain, en fait. Voilà, on parle de système, de gouvernement, de système économique, manaraf, avec le charabia que je comprends même pas, enfin qui m'intéresse même pas. Et en fin de compte, on oublie de citer l'être humain lui-même, en fait. On oublie de s'intéresser au noyau, on oublie de s'intéresser à la base en fait. On oublie vraiment de citer l'être humain lui-même. Et j'ai l'impression que, bon, vu l'évolution, t'es à notre monde. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de nous soucier de chercher à déterminer le meilleur moyen de contrôler cet être, le meilleur moyen de le diriger, de le contrôler, voilà, de le, comment dirais-je, comment on dirait ça en français, voilà, de l'impacter, cet être, il est en train de nous échapper, en fait, j'ai l'impression. Voilà, on passe notre temps à discuter des idées comme ça, d'institutions, de gouvernements, etc., de systèmes, alors qu'en fin de compte, la base, c'est l'être humain. Où l'être humain, l'être humain ne sait même plus ce qu'il est en fait. Donc voilà, donc j'aimerais bien il faut que les gens il faut que les gens se regardent dans des miroirs. Il faut le wahed qui il chauffe dans un miroir et il se pose des questions en fait. Pendant 5-10 minutes, chauffe rohek, regarde-toi et pose-toi des questions à la rohek. Essaye de comprendre ce que tu es. Ani nahdar aussi, surtout ma les Algériens. Bien sûr, j'aimerais bien
enfin يفتح مخه chaque matin qui se regarde dans un miroir et qui se pose la question qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire là en fait. Voilà, au lieu de courir après la vie, après les plaisirs, etc., que le wahed, il se pose les questions essentielles. Je ne sais pas ce que je vais trop loin. Vous m'arrêtez si je vais trop loin. Oui, mais je peux te poser une question? Allez-y. Non, parce qu'au début, j'arrivais à suivre, mais après, je suis un peu perdu, j'avoue. Parce que, en fait, vous posez une question sur la condition de la femme sur la planète. Oui. Et excusez-moi, mais on ne dirait pas qu'on vit sur la même planète. Parce que les problèmes d'une occidentale et d'une africaine ou d'une musulmane dans des pays musulmans ou d'une asiatique ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas englober le problème de la femme universel. Donc, il y a ça. Et en même temps, si j'ai bien compris dans votre deuxième tout à l'heure, vous dites en même temps, il y a d'autres, ils veulent un autre cheminement à la femme qui ne lui convient pas. Donc, ça veut dire que les féministes vont vous dire que vous êtes une femme rétrograde par rapport à fait que vous voulez assigner une mission à une femme. En même temps, juste après, vous vous contredisez, vous dites l'homme et la femme n'ont pas à se conscriptiser uniquement sur une seule chose. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là, il y a un truc, là, mon cerveau il chauffe. Donc si vous pouvez m'expliquer votre point de vue, par exemple, sur qu'est-ce qui conviendrait à la femme et qu'est-ce qui conviendrait aussi à l'homme, selon vous. Enfin, oui, j'ai conscience que j'ai parlé d'un peu beaucoup de choses. En fait, c'était. Oui, voilà, enfin, je pense oui, que c'est deux. C'est très riche, c'est très très riche. C'est très oui, riche. Oui, c'est une réflexion qui m'est venue comme ça. J'ai carrément écrit, en fait. Ça s'entend, mais ça s'entend. Je voulais pas, j'osais pas le dire, mais je voulais pas le dire. Mais il n'y a pas de souci. Donc, en fait, juste une petite réflexion par rapport aux féministes. Vous ne l'êtes pas. C'est pas que je le suis pas, c'est que je l'ai. Je sais même pas quel mot utiliser. Enfin, je n'ai aucun respect pour elle, en fait. Voilà, juste pour. Voilà, c'est juste pour que ce soit clair. Les féministes telles qu'on les connaît maintenant. Oui, mais quel féminisme? Parce qu'il y a plusieurs féminismes, Nadia. Enfin, je veux pas faire mon féminisme. Tout l'abus est mauvais. Eh voilà, exactement. Bon, il y a beaucoup de féminisme. Hein. D'ailleurs, Ben, il en parle très bien. Parce que le féminisme du militantisme des droits que les femmes n'ont pas, ça, je pense, c'est respectable. Mais c'est vrai que sur le côté féminin, tout ça, l'excès, peut-être, ça choque. Moi personnellement, je ne suis pas catholique, ni je ne suis pas pratiquant. Ça me choque quand je vois une qui rentre dans une église, enfin, j'ai pas vu encore dans une mosquée, mais qui font pipi sur l'autel de... Bon, je trouve que c'est choquant, c'est vrai. Mais bon, maintenant, c'est leur culture, donc on doit avoir la liberté, on doit respecter la liberté d'autrui. Oui. Voilà, donc par rapport au féminisme, moi, je suis... Enfin... D'après la définition du féminisme qui est connue là maintenant, enfin à notre époque, voilà, je suis loin d'être féministe, en fait. Je suis loin d'être féministe, c'est sûr. Ensuite, ah, mais faut pas être féministe. Non, il faut pas. Enfin, avec le féminisme archaïque, tu vois, genre. Je vois pas pourquoi on serait féministe, en fait. Amar, il souffre. Non, je ne souffre pas. Mais je t'entends souffrir, sérieux. Non, parce je t'en pâtis. Hein. Non, mais Nadia, je respecte. En plus, je vais vous raconter une histoire. Je travaille, bon, c'est pas peine de dire dans quoi je travaille. J'avais des partenaires, ils m'ont envoyé une dame qui s'appelle Marie. Et elle est catholique, mais catho-catho. Et elle me dit, elle est contre l'avortement. Je lui dis, ça, je ne peux pas en parler parce que c'est un combat de femme. Donc, elle me dit, non. Elle m'est rentrée dans un machin, j'ai jamais vu Enfin, je pense même les machos des années 60 n'oseraient pas dire ce qu'elle dit en 2017. Donc, je veux dire, il y a un retour de la femme, mais en fait, il y a eu un combat de libéralisation,
oui, de libéralisation de la femme au sens mœurs, enfin tout ce qu'on vit actuellement. Et, mais il y a une tranche de générations qui viennent, elles font un retour en arrière. Je ne sais pas si elles sont conscientes, mais en tout cas, ça existe. Parce que moi, j'en ai rencontré. Donc, ce que tu dis, ça ne me choque pas. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu expliques plus. Parce que tu es dans la généralité, tu es contre. Mais contre quoi? Mais pour remplacer par quoi, Nadia? Je pense que c'est pour ça que j'ai divagué ensuite sur les notions de système, d'institution, oui. etc. Oui. Parce qu'au fond, on nous impacte dans des... c'est vraiment le terme, c'est vraiment l'image que j'ai. On nous impacte dans des termes, en fait, qui servent après à diriger notre pensée, à diriger nos actions, oui. etc. Donc, je comprends, parce qu'en fait, vous avez dit quelque chose qui a fait tilter un truc dans mon cerveau. Après, je ne saurais vous dire pourquoi, ça viendra après. Mais c'est juste, l'expression, c'est un combat de femmes. Je vois pas pourquoi ce serait un combat de femmes, en fait. Mais ça a été un combat de femmes. Parce que, vous savez très bien, quand on a envie de se libérer, c'est pas l'oppresseur qui va se mettre à se flageller pour qu'il puisse changer. Tous ont été arrachés. Moi, je suis pas trop de gauche, mais la seule chose qu'on peut prendre du communisme et du socialisme, c'est le combat pour ses droits. C'est un combat. C'est pas une guerre, mais c'est un combat. Mais il y a eu des guerres. C'est presque des guerres, parce que quand on tirait sur les mineurs en France, c'était comment il s'appelle, pas Jaurès. Si, c'est Jaurès, je crois, qui avait tiré sur les mineurs. Donc, c'était un socialiste. Donc vous voyez, quand on a le pouvoir, on oublie parfois ses idéaux politiques. Voilà, exactement. Donc moi, c'est plus... je pense que c'est plus un cri... Attentat. Je pense que oui. C'est plus un cri que je suis en train de lancer à l'être humain. Parce que, bon, pour être honnête, moi personnellement, je ne parle pas aux citoyens, je ne parle pas aux politiques, je parle à l'être humain, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas vraiment qu'il y ait un combat de femmes et un combat d'hommes, un combat d'enfants, un combat de chiens, un combat de chats, etc. C'est-à-dire que nous sommes une humanité, il y a une base, il y a une base de laquelle il ne faudrait pas qu'on divague. Transgresser. Voilà, exactement. Et là, j'ai l'impression que l'être... C'est-à-dire que je suis allée sur plein de choses, mais la oui, mais base, reste, c'est vraiment reste, ce que l'être humain... Non, 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 mais développer justement... Donc voilà, c'est ce que je voulais... sur ce plan-là, en fait, que je voudrais que vous puissiez développer. Par exemple, D'accord. sur... Quelle est la place de la femme, par exemple, dans une société? Tiens, là, est-ce que la femme, elle doit retourner au fourneau? Quand je vous entends, enfin, peut-être je caricature... Mais quand je vous entends, j'entends cette petite musique un petit peu dans dans vos propos. Alors, bon, je vais essayer d'être assez claire. Elle est mélodieuse au moins, la musique, ou pas? Non, hein. Ouais, j'avais deviné alors. Non, 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 mais bon, moi, je suis pas féministe du tout. Tu me connaîtrais, je t'assure que tu dirais, mais c'est pas possible. Non, mais, ouais, mais j'ai rien contre pour l'égalité. Mais par contre, je suis pour l'égalité. Je suis un légaliste à mort. Je n'ai pas de science infuse, mais... Donc, Nadia, vas-y, si tu me permets. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de voilà, souci. Vas-y, définis-moi alors la place de la femme. La place, bon je ne sais pas ce que ça définira la place, mais bon, je vais essayer d'expliquer mon point de vue. Donc en fait, Pardon, c'est une question, mm-hmm. C'est une question un peu bizarre, Amar. C'est pas grave, non, on va essayer elle de n'est pas bizarre, c'est parce que tu n'as pas écouté ce qu'elle avait dit précédemment. C'était non, non, moi j'écoute ta question, c'est une question. Oui. Qui oui. commence avec une majuscule, qui se termine avec un point d'interrogation. Quelle est oui. la place de la femme? Cela oui, veut non, dire que l'homme a tout et c'est lui, la femme... Bah, tiens, on va lui non, trouver un petit coin que, sympathique. Non, c'est pas allez, c'est déjà non, rien, c'est allez rien la femme, la cuisine. Dis-nous. Vous énervez pas. Non, non, c'est pas ça. C'est par rapport au propos que Nadia, elle tient. Je la pousse un petit peu, c'est vrai, c'est une question un peu ambiguë, je suis d'accord. Mais c'est sciemment. Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu conservatrice.
Je le suis, je suis. Ah, Très... Non, voilà. non, mais j'assume, non, Merci. voilà, je le dis Alors, clairement, c'est je suis conservatrice. puisque tu es conservatrice, donc je vais aller de franco. Là, Suren, il va être content. Donc, Mais je comprends pas en fait, pourquoi. Oui. vous avez ne le prenez pas mal, hein, mais vous parlez comme une bourgeoise qui a des acquis. Heureusement que tu lui as dit de ne pas le prendre mal, hein, parce que c'est que moi, hein, c'est la guerre, je Non, te non, dis. non, 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 mais c'est une Kabyle, donc je sais pourquoi Anisfam, voilà, Nsfam, Sahid. Donc vous parlez comme une bourgeoise qui a des acquis, mais Anisfam. qui ne pense pas à son environnement. Vous savez, c'est ça le. Parce que pourquoi j'utilise ce terme, je l'emprunte d'ailleurs à Ben, que je salue s'il nous écoute, parce qu'il m'a fait écouter, enfin, il m'a envoyé sur le lien une vidéo d'une féministe, justement, parce que j'avais dit aussi une chose, une bêtise aussi, et franchement, ça a rectifié en fait mon jugement. Parce que l'excès, c'est vrai, c'est toujours mauvais, mais malheureusement, qu'est-ce qui engendre l'excès? C'est la domination. Est-ce que je pourrais vous poser une question juste par rapport à ça? Est-ce que vous croyez que je suis dans l'excès? Juste pour Non, voilà, pour non, vous avoir... n'êtes pas dans. Non, D'accord. mais justement, vous D'accord. n'êtes pas dans l'excès, mais vous n'êtes pas dans l'argument qui exprime justement votre point de vue. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais Je dit vous, pourrais... ça l'a tilté. Et quand je vous ai dit, alors c'est quoi la place de la femme? Je vous laisse parler. Parce que... Voilà, donc tout d'abord, si je pouvais juste me permettre, c'est quoi la place de la femme? Déjà, c'est réducteur. Oui, Vous voulez tout à dire fait. voilà, Mais donc non, ça mais c'est vrai, mais discute c'est même pour pas ça en que je fait. l'ai fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait sciemment. Oui, voilà, donc pas, avec tout le respect que je vous dois, la question ne se pose même pas en fait. La Ah, place mais de la c'est. femme est celle qu'elle prend en fait. Ah, je suis d'accord à 100% avec vous. Parce que, mais vos arguments, ben, je pense que vous ne vous rendez pas compte des arguments que vous êtes en train de dire. Parce que quand vous êtes contre le féminisme, donc ça veut dire qu'une femme, elle doit rester au four à changer les couches, à préparer des biberons. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Oui. Est-ce que vous avez... Qui est-ce qui a répondu? Hein? Pardon? Est-ce que vous avez une liste des... Comment est-ce que je pourrais exprimer ça? Parce qu'en fait, si je suis pas féministe, donc c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une Oui. liste et qu'il faut remplir pour être féministe ou... Est-ce qu'il y a Ah des non, bon, conditions? enfin, je sais pas. Non, mais Bah, est-ce qu'il y a des... je pense que tout être humain peut être féministe. En fait, le mouvement féministe, c'est comme, comment je veux dire, c'est le respect de la femme dans son choix. Par exemple, pour moi, c'est quelque chose Voilà. Vous sembliez être une de personne base. sensée, donc C'est gentil. voilà. Voilà. Votre propos prouve cela. Donc en fait, voilà. Donc la femme prend la place qu'elle veut. Je ne suis absolument, je ne veux absolument pousser personne à aller au fourneau. C'est juste que en voyant ce qui se passe autour de moi. En voyant les différentes manipulations, en voyant différentes évolutions, etc. J'ai l'impression que la femme, et étant une femme, donc j'espère que vous prendrez ça en compte. Ah Ça oui. va, voilà, parce qu'en fait, je suis plus concernée, donc Tout à fait. voilà, enfin, je sais plus comment expliquer ça, mais. Non, mais allez-y, allez-y, dites ce que Amar, dites tu es un à penser. méchant garçon, Amar. Ah, pourquoi? Voilà, j'ai pas envie de dire sur le. Je vois pas comment vous pourriez donner votre avis alors que vous n'êtes même pas concerné. Oui, c'est vrai, c'est Mais bon, vrai, mais. je vais le dire d'une autre manière. Donc en fait, voilà, voyant ce qui se passe autour de moi, j'ai l'impression, et je sais pas ce que d'autres femmes pourraient s'exprimer aussi, si d'autres femmes pourraient donner leur opinion par rapport à ça. Arrange ton micro. Attends, il Mon y a micro, des oui. soucis avec ton micro. Là, Voilà, maintenant. là. Voilà. On est en train d'essayer. Enfin, je ne sais même pas ce qu'on est en train d'essayer, Attends, mais. je ne sais pas ce que tu as fait à ton micro. On entend un brouhaha derrière. Du vent. Ah là, qui transporte. Je fais rien. Par contre. عندنا واحد الرياح راه ما عندك بالك الطاقه محلوله والريح راه جاي سيروكو سيروكو في لابولاند Surtout c'est Alger, surtout les tempêtes de Sibérie.
allongée sur un banc. Ça va mieux. Non, elle est dans la taïga, là, Là, elle c'est doit. bon. Tu as demandé l'avis, tu as dit, je ne sais pas ce que pensent les femmes. Eh bien, on va inviter justement Kahina qui va nous donner un avis ou l'équité des hommes Est-ce et que... des femmes. Mais vas-y, 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 Nadia. Voilà, est-ce que je pourrais juste finir la phrase? La vidéo, elle est, c'est que on est en train de pousser la femme à être une surhomme, en fait. La femme d'Oka, il y a par nature, elle a, elle fait certaines choses, en fait. Donc, Nahar il pourra porter un enfant, ultimement, on parlera d'égalité, en fait. C'est-à-dire que la femme, il y a des choses qu'elle fait pour la société que l'homme ne peut pas faire. Et en plus de ça, on lui demande ou on lui impose ou on lui met dans la tête qu'elle devrait faire autre chose. C'est-à-dire que la femme, elle peut faire carrière si elle veut. Enfin, voilà, ça c'est mon opinion. La femme, elle peut faire carrière si elle veut. Elle peut ne pas avoir d'enfant si elle veut. Elle peut, je sais pas, elle peut pas être au fourneau si elle veut. Ça c'est mon opinion. La femme, elle fait ce qu'elle veut. Mais dans l'ordre normal des choses, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en train de pousser la femme à vraiment à devenir une surhomme. Et ça, c'est en train d'inverser, de dénaturer l'être humain. Enfin, voilà, on est en train de dénaturer les deux sexes de toute manière. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Mais voilà, mais j'ai vraiment beaucoup d'affection pour les femmes. Enfin, je suis une femme et je ressens une très très grande injustice par rapport à ça. C'est pour ça que je suis contre toute forme de féminisme, surtout d'Adoka, toute forme de, voilà, les idées Qui de dessert totalement la femme, faut voilà, le dire. émancipation qui dénature la femme. Ça rentre un petit peu dans l'optique de la femme au fourneau, mais la femme au fourneau moderne en fait. Mais chez la femme au fourneau, t'es bien. Ok, Mais allez, voilà. Excusez-moi on une a. seconde, excusez-moi parce que Ben il vient de m'envoyer, je le salue, il vient de m'envoyer un message, c'est Jean Jaurès qui a tiré sur, j'ai dit je crois que c'était Clémenceau, mais c'est Jean Jaurès qui a tiré sur le mineur. Voilà Ben, Ok, rectification en fait, merci. allez, on accueille Karine, bonsoir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je me permets d'intervenir Un peu et plus si fort, un j'ai peu plus fort. T'as une petite ah, voix. vous me quittez? Oui, vas-y. C'est mieux. Voilà. Alors, le monsieur a dit à la dame, c'est quoi la place de la femme? J'aimerais bien qu'il me dise, c'est quoi la place de l'homme aujourd'hui? Ah ben voilà. Et tac. Allez, Ammar. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Pardon, j'ai pas entendu. Excuse-moi, excuse-moi. Pardon? J'ai pas entendu. Je m'excuse. J'ai pas Tu entendu. as posé la question. J'aimerais bien que vous me dites quelle est la place de l'homme aujourd'hui. La place de l'homme? Oui. Ah, la Et place j'ai de deux l'homme, questions. J'ai deux la place questions. de. Oui, pardon, oui, Vous excusez-moi, je parle. permettez. Oui, je vous en Oui. prie. Il Et vous répond à me. celle-ci d'abord. Il répond à celle-ci d'abord, bah, tu lui poses la seconde. Allez. Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, Allez. déjà, je pense que vous avez pas suivi le début de la question de Karine, pardon, vous êtes Karine, de Nadia. C'est pour ça que j'ai dit quelle est la place de la femme. C'est pas par rapport à. C'est pas une question machiste, c'est pour qu'elle puisse se découvrir, parce que la façon dont elle avait formulé en préambule ce qu'elle voulait dire, elle minimisait en fait les féministes, le combat des féministes. C'est pour ça que j'ai dit Aussi, ça. c'est pas une Pardon? question. Ma question aussi, ce n'est pas une question féministe de vous me Oui, dire c'est oui. quoi. Donc, si Oui, jamais donc je veux vous répondre franchement. Donc quelle est la place de l'homme dans la société, c'est ça? Bah, celle qu'il a toujours pris. L'homme, je suis désolé de vous dire ça, l'homme ne s'est jamais posé quelle est sa place dans la société. Il prend toujours celle qui lui convient, parce que c'est celui qui a à fait. l'économie, c'est celui qui prend. C'est méchant ce que je dis, hein, mais c'est la réalité. Je ne vais Oui. pas par quatre chemins, parce que celui qui détient la monnaie, c'est celui qui décide. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est l'homme. Donc l'homme ne se pose pas la question quelle est sa place dans ce bas monde. Il choisit. Heureusement, parce que cette place-là que vous avez, messieurs, parce que c'est la femme qui l'a donnée, tout d'abord pour l'homme. Si la femme ne s'est pas mise derrière un petit peu les femmes d'avant, si elles se sont pas mises en retrait, les hommes ne seront jamais comme ça. Ils seront jamais comme ça, surtout dans notre société.
Et vous vous demandez la place de la femme aujourd'hui. Il n'y a aucune honte à être une femme qui fait de la cuisine, qui prend soin de sa maison, de son mari, et qui sache lire et écrire, et elle travaille dehors dans notre, dans le monde moderne. C'est vrai ou pas? Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas pourquoi je sens une pointe d'ironie dans votre voix, madame, mais je suis pas contre. Vous êtes en... J'avais dit aussi que la femme, elle prend la place qui lui convient. Point. C'était pour que, comment s'appelle, Nadia, pour qu'elle puisse exprimer son point de vue. C'est pour ça que je lui ai Moi, posé je cette suis question. comme Nadia. Je suis comme Nadia. Je suis née et grandie dans nous, le pays qui s'appelle l'Algérie. Moi, mon rêve, j'aimerais bien qu'on élève nos filles aujourd'hui en leur apprenant pas que tu es une brebis, il faut que tu saches, il faut que tu parles discrètement, il faut que tu te caches. Et il faut pas, la même chose pour l'homme. On leur apprend dès leur jeune âge, ah, l'homme c'est un loup. Il faut effacer ça des mémoires de nos filles. Tant qu'il y a toujours cette mentalité, il y aura toujours Attendez, des parce femmes que aujourd'hui. j'ai pas compris votre argument. Il faut pas apprendre aux filles que Excusez-moi, mais l'homme, c'est pas peut-être un loup. que... Parce que... Ouais. Pourquoi c'est les filles qui Je lui oppriment dis les d'un autre... hommes? Non, je vous ai dit, moi, personnellement, quand je parle comme ça, moi, je ne suis pas féministe. Je ne me suis jamais posé la question féministe. Pas, non. Mais à vous entendre, Ce sont vous vues êtes en tant consciente de que vos femme. droits, madame. Jamais. Oui, mais madame. Je veux pas Oui. défendre des féministes, hein, moi-même je suis pas d'accord avec elles. Mais vous êtes, la façon dont vous argumentez, vous êtes consciente de vous-même. De Donc quand moi-même, même, vous avez mais il n'y a hérité, pas que moi. vous avez hérité du combat de celles qui vous ont précédé. Parce Voilà, que quand, du voilà, combat. donc vous pouvez pas dire que vous êtes contre. C'est pour ça que parce que moi je me méfie toujours des gens qui bénéficient d'un combat de ceux qui les ont précédés, mais qui piétinent dessus, et pourtant Allô? ils abusent de ce droit. C'est pour ça que je comprends pas quand une femme, elle me dit, moi j'aime pas les féministes, moi je suis pour que la femme reste à la maison, c'est un choix, Voilà. c'est respectable. Une femme qui a Eh envie d'avoir des enfants, elle peut en avoir autant qu'elle veut. Ouais, parce que La déjà le féminité ne terme s'arrête féministe. pas au fait qu'elle reste à la maison ou qu'elle soit dehors. Oui, C'est sa liberté. Il n'y a pas de j'en problème. suis sûre que vous faites pas partie de ce genre-là, ce genre d'individu. Mais je voulais vous dire que moi, comme Nadia qui vient de parler, on aimerait bien évoluer avec cette question-là. Parce que déjà le terme de féministe, déjà, c'est pas censé d'être. Exactement. Se dénuder pour dire un message, c'est Ah vraiment, il n'y a pas plus dégradant pour Mais la femme. madame, excusez-moi, enfin, je ne vais pas défendre les femmes, elles sont assez grandes pour Voilà. se défendre. Mais est-ce que ce combat s'adresse, puisque vous êtes en Algérie, est-ce que ça s'adresse à notre société? Il ne s'adresse pas à notre société. Moi, je Bien suis... qu'elles ont fait, je crois qu'elles sont allées au Maroc, je crois que c'était Houchey qui avait dit qu'elles ont été au Maroc, et elles ont été aussi en Tunisie, ça j'avais vu. Mais je veux dire, ce n'est pas un combat des Algériennes ou des Marocaines ou des Tunisiennes, enfin des gens qui nous sont proches culturellement, des femmes algériennes ou marocaines, elles ne se dénudent pas pour défendre leurs droits, que je sache. Donc, de mettre l'amalgame, je m'excuse, mettre l'amalgame sur le féminisme par rapport à des Ukrainiennes, comme dirait une personne en France, des femmes qui ne sont pas faites pour défendre des femmes, mais plutôt pour autre chose. Donc, c'est pas un argument. Voilà, Je m'excuse. je suis d'accord avec Normalement, vous tout devrez ce que être j'ai dans le dit. J'ai dit combat, ce terme-là, nous, parce ça qu'en nous concerne. Algérie, oui, mais je suis désolé, mais par contre, le féminisme en Algérie, les femmes, parce que moi, je vois, on entend comment vous exprimez tout ça, mais quand on voit au pays, à l'intérieur du pays, la femme, elle n'a pas de droit. Je suis désolé. Dire ça, si c'est du féminisme, je ne sais pas ce que c'est. Hein. On ne peut pas dire que l'Algérie, toutes les femmes, elles sont libres, elles sont conscientes de leurs droits. Il n'y a pas de droit de femme en Algérie. Justement, monsieur. Vous êtes C'est pour ça que mineur. nous parlons. C'est pour ça qu'on est en train Oui, de parler, justement. mais Justement, alors monsieur, ça va suffire. pour défendre un acquis, madame, il ne faut pas détruire ceux qui combattent. Il faut être unis. Enfin, je ne veux pas vous apprendre ça. C'est le béaba Peux du. pas parler. Pardon.
Bah, justement, monsieur, je suis consciente, je suis consciente. Chut, attends, j'arrive. Le bébé, c'est comme ça. Je voulais vous dire, Oui. je sais que c'est doucement, ça va aller doucement, doucement, parce que nous, je suis consciente qu'en Algérie ou au Maroc ou je sais pas où, ça va pas changer du jour au lendemain. Mais nous, la génération nouvelle, c'est à nous de changer ça, avec nos filles, avec nos enfants. Oui, mais ça va prendre combien de temps? Deux, trois générations. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Oui, mais Pourquoi vous pas? avez en face, madame, vous avez des organisations rétrogrades. Vous ne pouvez pas imaginer les moyens qu'ils ont. Ils ont des moyens d'associations islamistes qui viennent du monde entier. Ils ont des États qui nous gouvernent et qui n'ont aucun respect pour la femme. Parce que l'Algérie, la femme algérienne des années 60-70, elle avait plus de droits que les femmes qui sont nées après 84. Ça, il faut le savoir. Moi, je dis ça comme ça. Moi, ça ne me concerne pas quand je suis en Algérie. Moi, j'ai pas de problème. Mais en étant femme en Algérie, dire que le combat des femmes n'est pas important, ça m'étonne un petit peu. Ben, c'est pas ce que vous dites complètement, mais N'est pas voilà. important. Oui, non, mais la façon dont vous minimisez les combattantes des droits de la femme. Vous les appelez des féministes, c'est presque péjoratif, surtout Alors toi, Nadia. C'est un excusez-moi, peu. Oui. si je pouvais, excusez-moi de vous interrompre juste pour vous Non, tu dire. peux me tutoyer, pas de problème. Non, je me permettrai pas. Juste pour par rapport au terme féministe. Bon, déjà par rapport au terme féministe, c'est vous qui l'avez qui l'avez évoqué en fait en premier, Oui, parce que mais. personnellement, Oui, moi mais. je suis juste pour que vous sachiez à qui vous vous adressez, Anna, je me suis émancipée de tout type de terme, enfin de tout terme qui englobe et qui impacte l'être humain dans un certain état d'esprit en fait. Oui, Donc déjà tout à fait. quand vous me dites féminisme, ça me parle pas en fait. Je vois la femme telle qu'elle est faite et telle qu'elle doit être en fait. Parce qu'au fond, il y a une nature qui a fait certaines choses et de quel droit est-ce que nous dénaturons ces choses en fait? Oui, mais développer, c'est quoi la nature de la femme? Je suis un peu méchant. Non, non, c'est pas que vous êtes méchant, Parce que c'est vague. c'est Il que c'est faut, il faut, il profond. faut. Oui, mais c'est profond. Mais sur quel plan? Sur le plan artistique, sur le plan social, sur le plan Non, maman, sur le non, plan femme non, au sur le foyer. plan Parce que humain. la vie, quand je vous avais dit tout à l'heure, quelle est la place de la femme? Bon, notre compatriote, elle est partie, je crois. Mais. C'est important, c'était pour que vous puissiez justement développer votre point de vue sur la femme, parce que moi j'avais compris ça déjà, parce qu'on en a déjà discuté une fois, je crois, avec toi, parce que moi je tutoie maintenant, avant je vivais Il n'y sous a toi, pas mais de maintenant je souci, il n'y a tutoie. pas de souci. À Voilà. votre aise. Merci. Voilà. Donc il faut développer. La femme, elle prend la place qu'elle veut. Donc là, si on parle de l'Algérie, par exemple, la femme, elle doit prendre la place qu'elle veut. Elle veut travailler, qu'elle travaille. Elle veut rester à la maison, qu'elle reste à la maison. Elle veut être D'accord. religieuse, qu'elle soit religieuse. La femme, elle est faite pour faire ce qu'elle veut, en fait. D'accord. Après, moi, ce que je... Enfin... ce qui me révolte, parce que bon, on pourrait parler de tout et n'importe quoi, mais la raison pour laquelle j'ai voulu soulever à deux points, c'est le fait qu'on essaye de faire entrer dans la tête de la femme qu'elle peut ou qu'elle doit être la femme et l'homme en même temps. Je ne sais pas est-ce Oui, que ça j'ai beaucoup de compris, gens oui. vont comprendre cela. Voilà, je suis tout à fait contre ça. Et je suis en train de parler aux jeunes filles surtout, enfin j'espère qu'il y en a qui nous écoutent et aux jeunes femmes, que ce n'est pas normal en fait. La femme, elle n'est pas faite pour être un homme et une femme. Voilà. Après, par rapport à la place dans la société, par rapport à la place... voilà, par rapport à la place dans la société, je pense que la femme, elle prend la place qu'elle veut selon ses ambitions, selon son éducation, etc. Mais moi, mon intervention, c'était plus par rapport au message que nous sommes en train de faire passer aux jeunes filles et ce sont des choses qui sont en train de contribuer
enfin, c'est en train de dénaturer l'être humain tel qu'il est, en fait, en général. Voilà. Non, non, mais je, moi, je comprends l'argument, mais c'est pour ça que moi, je vous pose un peu ces questions. En fait, c'est pas pour vous embêter, c'est pour bien que sûr, vous puissiez expliquer votre. Parce que je vois sur le chat, on dit que voilà, comme quoi que je suis méchant avec vous, mais c'est pas la question. Non, c'est non. Un dialogue, messieurs, c'est un dialogue. Un dialogue, c'est pas uniquement dire oui, vous avez raison, vous avez tout est blanc, c'est tout est. La compréhension, elle est plus dans les nuances que dans autre chose. Non, non, mais je comprends. Mais par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le fait que vous, déjà, vous soyez, c'est votre avis, vous pouvez être contre le féminisme, c'est respectable, il n'y a pas de problème. Mais la femme, elle prend conscience de ses droits que par l'instruction. Si on, oui. revient, si on revient au passé, il y a point d'instruction à la femme. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me relever un terme que j'ai dit Non, j'ai pas dit. Si, j'aimerais bien que vous, parce que vous non, mettez un vous petit avez doute. Pas dit ça. Non, 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 que, non, non, voilà. Vous avez pas dit. Non, non, je vous dis, c'est d'accord, en général. D'accord, j'aimerais bien en, me corriger, parce non, que non, si j'ai non, dit non, ça, pas du j'aimerais tout. bien Non, me corriger. Non, 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 non. J'ai dit en général. C'est pour ça que moi, d'accord. par exemple, moi personnellement, il y a des combats de féministes, elles me barbent. Est-ce que tout à fait d'accord avec vous. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on pourrait juste éviter d'utiliser le terme féminisme? Parce que de toute manière, il y a autant de féministes. Tous que les de comme femmes, ça, c'est vrai. Voilà, tous les termes qui sont comme ça génériques, en fait. Il y a autant de définitions que de gens qui les utilisent. Ils englobent énormément de gens, c'est vrai, c'est vrai. Ça devient plus une marque sens. Qu'autre chose. Exactement, c'est vrai. Voilà, c'est essayez vrai. Juste d'exprimer vos pensées sans utiliser les termes, ces termes. Non, mais je veux dire que les résultats, en fait, par exemple, le fait que vous soyez aussi libre, qui est une bonne chose. C'est dû quand même à des combats de ceux qui vous ont précédé. Bien sûr, évidemment. Voilà, c'est pour ça que... Oui. Excusez-moi, c'est parce que c'est un point qui me tient, qui me tient un petit peu à cœur, parce que, voilà, parce qu'en train... J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un petit amalgame. Je ne sais pas si vous le faites exprès ou... Non, pas, ou non, là, je ne l'ai pas fait exprès. C'est naturel, c'est naturellement. Non, non, quand je fais quelque chose, quand je fais une pique, je le dis, moi, je suis honnête. D'accord. Donc voilà. C'est-à-dire que quand je dis féminisme, c'est vraiment tous ces termes qui ne servent qu'à modeler. Qu'est-ce oui, qu'on est en train femme. De déménager Non, non, pardon, parce que j'ai débranché un truc. C'est moi qui fais des bêtises. En plus, j'ai eu la chauffe. Il n'y a pas de souci. Tous ces termes qui essayent de modeler l'esprit des humains, en fait, des hommes. C'est ce que j'appelle féminisme. Après, les femmes qui ont milité pour nos droits à l'époque, c'est-à-dire que je vais même pas me permettre de minimiser ça et de mettre ça dans une boîte, mettre ça dans un mot en fait. C'est pour ça que j'ai du mal avec le terme féminisme que vous l'employez pour les femmes ou pour que vous l'employiez pour Rosa Parks ou qui que ce soit. C'est-à-dire que... C'est autre chose. Rosa Parks. Oui, ouais. Oui, mais bon, ça reste une femme, ça reste un combat de femmes quand même. Voilà. C'est l'émancipation de toute une communauté, c'est pour les Noirs. Oui, ça reste une femme. C'était une grande femme, c'était une très grande femme. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, donc déjà le terme féminin, quand vous dites terme féminin, déjà ça me dérange en fait. Oui, non mais je comprends, en fait votre point de vue, mais je sais pas, c'est un peu contradictoire. Oula, c'est quoi ça? Il y a un bruit. C'est moi, pardon. Bonsoir, bonsoir, Mamos. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir Degré, mais et bonsoir Nadia. Bonsoir Mons. Je pense pas que ce soit contradictoire. Karina est partie. Oui, je crois qu'elle est partie parce qu'il y avait, elle avait un bébé, je crois, un petit enfant okay. qui l'embêtait. Bah, j'ai même pas entendu. C'est d'être un petit Ok. Si, si. On le salue. Mons, bonsoir. Oui, Gino. Bonsoir Gino. Je viens d'apprendre que c'est la dernière. Comment on va faire? Ouais. Ah, c'est la dernière ce soir? Bah, il y a Mousse. Je suis mortifié, moi. Je suis. Voilà. Ah, quoi. J'ai pas entendu. Ah, bon, merde. Je suis dégoûté. Dégoûté. Ouais, mais grave, quoi. Ouais, mais les gars, normalement, ça devrait vous pousser, vous aussi, à vous mouiller et à faire aussi des lives. Il a raison, Gilou, il vous l'a dit plein de fois, en fait. Ouais.
Parce que Gilou, quand il aura le temps, il viendra vous regarder avec grand plaisir, et j'en suis Ouais, mais sûr. c'est Moi pas aussi. pareil, Mousse. Pourquoi? Je crois que le truc qu'a créé Gilou est un peu spécial, c'est pas la même chose. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas spécial, mais à défaut, si jamais il n'y a plus Gilou, comment on fait? Eh ben, il faut Mousse faire. univers. Voilà. Ben, Sérieux, moi je fais des lives de temps en moi j'ai temps. une idée, hein. On peut tous. On va se renseigner, on va voir où est-ce qu'il habite et on va tous habiter le quartier, quoi. Moi, je sais où il habite. Non, Parce que mais j'ai un blague à ami qui part. habite à côté de chez lui, mais bon, je ne veux pas te dire. Blague à part, c'est vrai que c'est pas évident. Je crois que tout le monde se rend compte, c'est vraiment du temps, c'est juste énorme. Ouais, Et beaucoup. Ouais. surtout la cadence Franchement, à Gilou, sans ah, prendre c'est tous les conscience. jours, c'est pas Ah, voilà. évident. Je veux dire, si tu enlèves 3-4 heures ou même 6 heures, parfois même 7, s'il l'a fait parce qu'il a battu mon record, hélas pour moi. Ouais, ah oui, c'est vrai, j'étais là Et jusqu'à quand 3 heures. tu fais. Ouais, mais quand tu enlèves même une moyenne de 4 heures dans une journée de 24 heures, c'est juste énorme. Ah là là C'est là là là, deux pas passages. moi. Garde C'est la pas moi. patience. Oula, Deux. Franchement. Oui. Garde la patience. Deux passages, monsieur le frère. مساء الخير فاش قعرتها مع اللحقة قعرتها هذا وين الحق ايه خلي بدل لي واحد الحق البرويد، باش درت لنا نعرف واحد البرويد. ايه عندي واحد شو ملي كان عندي كاسك عيان ولا عندي كاسك بزاف ملاح ايه داكور، فوالا، على بها قعرتها، قلنا قعرتها باسكو ودنينا حسو. سي بون. نورمال تحمل اه فوالا، تحمل حملنا ونسينا، انا نسينا ديجا. تحمل تحمل نعم واش راكم شنو ايه مالنا ايه نحمل نحمل، حملت بير كو سا. رانا تري تري بيان نتا هو ابو حملون تحمل ديبي لو طون كو تي اون في تا دو ليكسبيريونس هكذا في لونديورونس لا بروف عندك قريب امين دير لايف كل يوم لا شكون تعرف والله شوف نعطيها لكم من الاخر جيلو انا ما نتفاهمش معاه ربي وربه ما يتفاهموش كاع يديك وشنو وراه المشكل انا جيلو على بالي ما عنديش مشكل معاه انا جيلو شكون معايا شكون قال لي وراه المشكل عبد الكريم عبد الكريم نو 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 انا ما عنديش مشاكل مع ربوبه تاع الاخرين واللي ما عندهمش راه ما عنديش كاع مشاكل هادو انا وشنو فو دير سكيلوني لو ميك سي بلاش انا شغل باش تكاربيري يا جيلو مي سا سي لو موند لا نوي وي اه وي سي انا ما نسمعلوش بورتون نحب ليميسيون انا ما نسمعلوش كل يوم عياني ما نقدرش نتبعها دو بو طون بو كل يوم مام درنا المشاكل القبقة بلا فاش اسكت برك درتنا المشاكل جيلو على بال كاع المزوجين درت لهم مشاكل على بالي على بالي او خلاص او قاعد صابوا لا ليبرتي بك يسيبوا لا ليبرتي وجداكم وجداكم انا متهني انا مو اسكاش نهار نجوز في اللايف تاعك نقصر على السوجي هذايا اير اير او ميم اون فا با انفلونسي لي زوطخ بالعقل بالعقل واش جيلو تحب السيريو وي 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 سيريو جو سوي تري سيريو راح دير جولة كيما لا دانيير فوا نو جولة اني كيف انت تما انت في دانيير لين دروات علاش درني ليندرو ولا ليندرو ما كان حتى ليندرو هادي هي الاخر من 2019 هادي هي الاخر هادي هي راح تحكي 20 طون يوم جايين تاع الجزائر هادي هي الاخر على جايه رايي صغيور نو مي جي الدرو انا حاولتي جي عندك الدرو دوموندي دير واش قتلتونا بجي الدروة ايه عندي بيان سور عندي شوف كاع عندكم الدروة الله خير كاع جي با دروا ضريفي ما عندكش الحق وي ما عنديش الحق يفو ما عندكش الحق ايه كيف عندنا نتبعو فيك ونصفقو ماما انا ماشي داكور معاك ونتبع فيك ونكوراجي فيك وكذا بصح بيزار سي فري كو بيزار ماشي داكور معاك ونكوراجيك مي كون ميم باسكو عجبتني Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un truc spécial qu'il a fait Jim. Mais c'est facile et c'est à la portée de n'importe qui. On a une C'est vrai. erreur. Ah, Celui qui si. veut C'est vrai. apprendre à faire des directs, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. ما نقدرش انا جيلو انا والله رحم لها ما نقدرش انا ما نحكمش لساني ما نقدرش والله ما نقدر ما يلزم لي فيلتر لا فايس كاع ما يقعدوش اون فامي دراري صغار ما يسمعوش ما Non, mais de passage, voilà, c'est tout le monde pareil en fait. Garde, on ne peut pas, mais en vérité, si on fait un effort, c'est un effort.
C'est tout. Ce qui fait, Gilo, c'est un effort. Quand on peut dire, c'est un Oui, effort. non, non, pour parler plus sérieusement par rapport à ça, bah, écoute, moi je prends la chose comme étant un échantillon d'Algérien qui fait. Les habitants, ils se mettent, ils se font, 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 قاعد يحميو البندير اكسيتيرا مي سا بوج با جي ابسولو ابسولو شوف نقول لك حاجه نقول لك حاجه سي تري سامبل انايا جو مسوي ساكريفي سي فري جو مسوي ساكريفي وانا عاود نكرر جو نيو كان ميريت اي سي سي تاع لو فير جو لو ريفري ما فيهاش تمسخير ما فيهاش حتى هضره لان كاين بزاف الناس اللي ليميسيون هادي حلت لهم المخ تاعهم Elle leur a fait changer d'avis sur plusieurs choses, notamment sur la religion et surtout sur les religieux et ce qu'ils déblatèrent à longueur de journée. Hadi, c'est une certitude, les messages je les reçois au quotidien. Nas yqoulouli, barakallahu fik, rak ftahtna mokhna. Ou hadi ma kontch dhanha hakda, alors que ba3d mouch sma3tek tahdar, rah dert lbouhouthat, sbtha ndak lhaq. هادو هادو تاني جيلو سون فولوار لي زوفونسي ولا هادو تاني كناس انا رايي تما يلا طون يلا طون لو لو بلا سيرفي في الفراش شوف شو اي سي سا اي بيان باسكو بيك بيك تعرف تروح تحوس تلقى ما تسناش ايميسيون ما تسناش ايميسيون يقولوا لك هادو عباد اللي يجي يحكي له جوستومون تو كومبرون سكو جو دير هادو ما انا ليا هما لي بلو لو بلو ميرديك في لا سوسيتي يتبع تبع برك الواد اللي يجي يده وين شو الكانوي تاع منين يجي المارا ويتبع Et là où Ligilo il a le plus de mérite, sans déconner, c'est parce que c'est un live avec des Algériens. Et je pèse mes mots. Quand c'est un live d'Algériens, j'ai fait plein de lives, moi. Je suis allé avec des fascistes, j'ai tout fait. Le live des Algériens, il est insupportable. Ingérable. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, le live. Ouais, là, ça, il faut se l'avouer. Pierre, ça, la chave. Voilà. C'est très très dur. Et attention, attention, n'aked عليها هذه, n'aked عليها, n'azgat عليها هذه. Tu vois, malakoumch, tu vois, durant le direct, les messages que je reçois à travers Skype. Mais c'est quelque chose d'hallucinant. Il y a un peu de choses, Abdou, Hada, Wishnou, Nin Kharaj, Hada, Sabah. Hadi, حل قاع ديجا طابلو ما ديسيني فيه والو صباح كحل وسكات يجو الناس كاين الناس يجو يسبو يودي ابخي يجي له اونتخ نو سا سا انسولت دو تو كوتي خلينا مو جو سي ما سي هيومان لي كون اون ابارتو انا شوف عام قبل ما نمشي ديريكت كنت خممت دونك جيتي او كورون دو تو سا وما ما اثروش عليا بشعره بو ريماركوري كو ما اثروش عليا بشعره يعني جو ريبون طون زون طون هكذا نطلق نجبد الربط تاعهم قاعد نجبد لهم السلسله نديرهم بروشات ونعطيهم ديريكت سينو هكذا يا نفيدي نفيدي اه الور انايا جي في دي فيديو هضرت قلت شوفوا شو اسمعوا بيان اسمعوا بيان سي تري امبورطون الحاسد والغيرة عند الجزائريين بلا مونتاليتي وهابيت اللي جات هادي هادي هاد لو ديريكت هذا سوني با ريان ماشي حاجه هكذاك ماشي حاجه والو سا سون امبورطونس تحب ولا ما تحبش تحب ولا ما تحبش سا سون امبورطونس سي بور سا كو جي كونتيني باسكو يا انورمون دو جون كي ام سو ديريكت كاين اللي ما يشوفوش اون ديريكت مي اوبليجي يشوفو كونت يل بو اوبليجي يشوفو اون اونتي كونت يل بو Alors j'ai demandé à une participation. C'est normal. Anaya, jusqu'à maintenant, je vis mes réserves. Mais les réserves, si j'ai un coup dur, je ne pourrai pas faire face. Alors, tiens, je vais prendre ça. Si jamais je peux compenser, qu'est-ce que c'est 10 euros ? On a peut-être 10 euros. Qu'est-ce que c'est 10 euros ou là, qu'est-ce que c'est tata par mois ? C'est vrai. C'est rien. C'est rien du tout, même 20 euros. Il y en a qui ont déposé 300 euros. Et c'est pour ça que je réitère, les déposants, une somme, depuis que Wassit a dit, il y en a qui ont remboursé le compte,
ابعتوا لي ميساج بالريب تاعكم رومبورسي لكم لو دوبل دو فوا سو كو فوز افي مي بور فو رمارسي دو فوتر كونفيونس دو فوا لا سوم تاعك هذيك اللي حطيتها انا رومبورسي لك دو فوا كي البنات كي رجع نهضر معاكم دونك واش يجيو لي ميساج تحبت تدرحنا حبيت تروح تفواياجي من لحيتنا من من كيف سي سي ان سيرفيس كو دار مواليها وزيد بالدراري سي جامي ان بلازير مصغرها ما تقراش وكذا من الو وي اتونسيون اون سور ديريكت لا وي جيلو وي با اون ايتي ديكونيكتي كوبي وي Mais je pense que voilà, c'est reparti. Ouais, là, on voit ça en marche. C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Déconnecteur. Bon, allez, allez, on a le touche où je habite en rôle. Allez, à tout de suite. Alors, Club Gilo, alors, pour revenir à ton truc, le mec qui t'a dit. C'est pour que tu te payes des voyages, des machins et tout. Moi, j'aurais répondu oui, déjà. Mais c'est pas un seul mec, hein, de passage. Je suppose oui. Il y en a plein. Je veux... Il y en a plein, toi. Mais même sur le chat, même mais sur de le toute chat, façon, si tu n'avais pas demandé ça, si tu n'avais pas demandé ça, le même mec, il t'aurait dit quoi? Il t'aurait dit, je connais pas le fait. Donc, c'est des gens, il dit, ben, cher Mel Kafsad, il te calcaque, tout simplement. C'est vrai. Et moi, mais je... tant que tu as sorti ce sujet, je tiens à en parler. Moi personnellement, oui, j'allais contribuer. J'avais l'intention de contribuer. Je crois que 10-15 euros par mois. C'est comme un bouquet des et sincèrement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait. Je ne te demande rien. Je ne te demande pas des explications. Elle m'a demandé de les voir. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Elle m'a demandé de les voir. Ouais. Ça, je le sais. Parce que tout simplement, j'adhère pas à 100%. J'adhère pas à 100%. Mais je bon, comptais si... me rattraper. Allô? Parce que bon, des fois, je vois de bons trucs. Je crois l'espoir. Comment je voudrais que ça soit? Après, tu me diras, oui, j'ai qu'à le faire. Toi. Mais ben, je ne suis pas en train de critiquer. Toi. Loi des lois chez Habhar. Je n'ai aucun match de Nishga, mais tout simplement. Ça sera assez. Mais voilà, pour ma part, par rapport au truc, il y a un abonnement, tout simplement, ou je ne te prends bien Ashra, on m'a raconté bien Ashra, ben, comme de Sarah Ben Ashra. Non, c'est pas une idée, ça. C'est vrai. Carrément, ça, mais à ce moment-là, tu fais des conférences sur Skype, et puis voilà. Hein. Voilà. Allô? Oui, Sam, vas-y, on t'écoute. Oui, salut, Jules. Salut. Sam, ok, là, Hamar, on a discuté déjà une fois. Oui. Ça a recoupé, mais... Azul Flek, Amar, ça va? Azul Flek, on tous. Bonsoir. Nadia aussi. Donc, oui. Djilou, moi, je t'appelle seulement pour... voilà, je vais continuer sur la lancée. Donc, on voulait tous que tu continues à faire les directs. Mais d'un côté, je te donne raison. Hein, je te donne raison. Ana Paul Khadja Djilou, moi, je te suis depuis... depuis 2009. Là, je le direct à chaque fois. Je sais, moi, je suis au Canada, donc avec le décalage horaire. À la belle tête, tu commences par des fois 11h du fois. Là, à chaque fois, je finis le travail à 4h30. Je me dis, tiens, à 5h30, j'arrive à la maison. S'il n'y a pas de trafic, puis on va. On va panier, Djilo. Après, je me suis dit, voilà, parce que lorsque tu vis surtout loin, Hagdaya, tu. Ça fait plaisir, il y a un espace. C'est pas la même chose, mais la famille c'est autre chose, mais l'espace à date à des aides, c'est autre chose, Tanek. Moi, je l'ai suivi depuis le début, direct, ça fait, je sais pas, on va dire un an et demi peut-être.
un an et demi, bon, l'époque t'as Casbah, t'as beaucoup de monde qui, après, il y a ceux qui se sont retirés ou là, ils ont d'autres centres d'intérêt, mais bon. Un an, je t'appelle seulement pour te dire, Gilo, c'est vrai, d'un côté, je te donne raison, parce que les gens sont ingrats. On est ingrats, mais la plupart, on n'est pas reconnaissants. Une fois, tu as demandé, voilà, est-ce que vous pouvez ben, une contribution, c'est normal. Tu es là 6 hours per day. 6 heures par jour, tu les dédies Ah, non, gratuitement à aux data gens. direct. Et La ce qui c'est la préparation. préparation, Et la là. préparation. Et la Et la préparation. préparation. Ah, Ou c'est la seulement, préparation. il n'y a pas que la préparation, il y a aussi ce qu'on appelle la force mentale. Tu es là, des L'énergie. fois il y a des gens qui m'a. Anna, je ne vais pas citer de nom, mais là je vais citer un nom. Hadaksid, est déjà direct, susceptible. Moi je ne l'attaque pas, je ne le connais pas, j'en ai rien à cirer. It's not my business, je le connais pas. Mais il vient direct, susceptible, tu m'as bloqué. En 2017, on parle de quelqu'un qui peut changer un pseudo, t'as Skype, t'as Wadar. Mais c'est hallucinant. Il faut pas déconner des fois. Et surtout des gens qui vivent en Occident, à Belfast ou la Flachan, tu sais pas qu'on peut pas, on peut pas te changer un pseudo. On peut te craquer ton système, ton Lachan. Je sais pas, il arrive à trouver le mot de passe ou quoi. Mais il faut pas déconner. Et toujours, Jilou, c'est le centre, t'as les attaques. Si t'as Montréal, t'as l'Anaya. Oh! Donc voilà, moi je t'appelle pour te soutenir, Gilou, pour te dire si ta décision est finale, Ouais. ben, on peut pas la changer, mais sinon, s'il y a un moyen de te ramener à la raison, on va essayer de quand même À la raison, ça veut de dire te travailler au moins 20 minutes. De te travailler au moins 20 minutes. si ma, tu me ramènes à la raison, ça veut dire un Ouais, voilà. Ah, tu ne non, pourras pas. vas-y, vas-y. Mais si tu ne voudras pas, tu ne pourras pas. À caractère, te reposer, ou ce que ne me dis pas au-delà de. Si tu arrives, si il a d'être c'est quelque part, tu es dans un kiff qu'on pas possible. Bah oui, il va trouver un Sinon, autre c'est vite impossible. autre C'est chose. impossible. Je peux pas suivre tous les jours depuis le temps, ou la gare, les émissions de bout en bout. Toi, tu le fais depuis un an et demi. C'est que chacun sa came, hein, tu vois, chacun sa came, quoi. Mais Moi, je te Gilou, dis, à 14 heures, tu vas te reposer. Tu vois. on fait le pari. Moi, Là, je te conseille beaucoup de panna là, cotta, moi. là, on fait le Panna pari. cotta fraise, Allez, là. on fait le pari. Pari, là, ma tsaadanish Non, il ne faut pas faire un pari, il ne faut pas faire un pari, parce nerba. que Ah. il vaut mieux que. Gilou, Attention les gars, je suis pas il faut me d'accord laisser avec ce un qu'il raconte espoir. le mec. Il Hein. faut. Il Attention, hein. faut... Je suis pas d'accord avec lui du tout, mais malgré ça, je l'encourage. Bah, c'est la Malgré ça, démocratie. je l'encourage parce que c'est au moins un je c'est déjà écouté. C'est Et puis déjà écouté. on a rencontré des gens grâce à Gilou. Voilà, Oui. Adak Ah plus oui. pire, ça c'est le plus, Ah bien sûr. ça c'est Mais. sucré quoi. Ça c'est au top, tu vois. Mais Mais déjà, les gens. la personnelle, oui. Pardon, et oui, c'est l'intervention tel monsieur, pardon. Non, mais c'est juste pour dire que. Il faut reconnaître que. On est ingrat, on va dire ça. Parce que. À chaque fois. Qui a dit de la face pour nous soulager, pour nous aider, on le prend de haut. On dit Hada ou n'importe quoi. Mais lorsque. Parce que Jilo, il a essayé une fois, il a demandé l'aide, la machine, l'aide, on ne peut pas la. Parce que. Voilà, il ne fait pas la. Mais c'est juste les gens, ils ont pris ça comme. Ah oui, il a de la base pour ramener de l'argent. Oh, c'est pas tes 5 dollars ou là, 5 euros qui vont faire la vie de Jilo. Jilo, il a fait sa vie. Donc c'est ça le. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Mais Là. non. Oui, Alors, Mousse, vas-y. Juste déjà, on est pas Je comme on est rayé le Bali. Mais ben, je suis À on la est rayé le belle. Bali. Donc, À la belle. on est en Turquie. Jilo, Jilo, arrouah le Cuba, ma t'rahch le Ça vient de partir, justement. D'accord. Reconnexion. On s'est Jilo, reconnecté. rayeh pour un bout, là, furtif. Alors, pour un bout, quel bout?
شوفيها وحده ماليزيان ولا دونيزيان ان بوتشو عطيك ملي احضر واش حبي. لا 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 قصر برك تو باركون جيلو تو باركون علاش تخلوها له في القصره هذه مانيش عارف وما قلتش لا لا اكتوبر سي لوان سي لوان اكتوبر صافي او سا باس فيت سا باس فيت وي وي سا باس تري فيت. Dès que le 15 est passé, c'est la semaine prochaine, c'est fini. Le mois est parti. Mais Djilou, tu veux pas essayer d'autres destinations, Djilou? On a que je suis les avoir. Il a ses repères là-bas. Il a ses repères. Bali, je suis amoureux de Bali. Bali, c'est. Tu te requinques. Tu as tous les êtres humains. تعاود تشوف الناس تضحك، تعاود تشوف الناس يجيو بهذوك بالورد وبالبايت تاعهم. اي سي نورمال جيلو راك قدام لاستاتيو قدام لاستاتيو هكذا ويقولوا لاستاتيو هذيك هذا السيد هذايا طلع فيه في بلادنا واعطي له شي حب وخليه يضحك وخليه واحد الهضره هكذا واحد انا بالجزائر يقول لك خو احترمنا شويه راهي علينا المره ديالك هذيك هكذا اي وي يا ربك انا حبي نروح عند العباد عند العباد وشنو راح اعطيها والله اشتر كونساي يعني كونساي دامي جيتي اون سول فوا كوبا جيتي فريمون ميرفي جيتي انكرويابلمون ايمرفيي بار لو كوبا اي بار سون بوبل. Parce que c'est un peuple pauvre, mais des plages paradisiaques vont être 30 000 dollars. Ça va changer. Hein? Ça va changer. En dehors de l'Américain, ça va changer. C'est fini, ouais. Cuba. Il fallait visiter Cuba qui est resté là, mais maintenant. Ça, maintenant, c'est vrai. Maintenant, c'est fini. C'est le retour de Batista sans Batista. Voilà. Les Américains, ils reviennent. On a Raoul. On a Raoul. J'ai vu un reportage de la Corée du Nord. Ou Alès, Houou, Sadiya, Raoul. Ou Alès, Bali. C'est Mohamed. C'est pas grave. Le Jespi, ils sont billets. Il n'a pas besoin d'une agence. Un ingestor, Vakjiri. Ah, Jiri, destination Pyongyang, Hadara. Oh là là. Maroche Talik. Bali, vive Bali. Bali là, ah, vive Bali, bien sûr, vive Bali. Vive Bali. On a bien accès pour la Mazar. Moussa m'bahtou à Paris. Je suis allé à Paris. Les gens ont contribué le premier mois et le deuxième. Alors, on a fait le quatrième mois. Troisième et quatrième mois, il y a eu zéro contribution. Je réitère, ceux qui ont contribué le premier et le deuxième mois, si vous voulez être remboursé, vous m'envoyez votre RIB, je vous rembourse le double de ce que vous avez versé. Oh, c'est quoi ça, Gélo? C'est quoi Allez, tu rembourses le double de ce que les gens... Parce qu'ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance et ça me fait plaisir de le rembourser doublement. Parce que, Homa, ils ont payé pour voir le direct et puis le direct comme il y a baisse. Donc, voilà. C'est honnête c'est logique. C'est logique. Écoute, Djilou, à tout le monde, je vous dis bonne soirée. Merci. Et Djilou, merci mille fois pour toute ta gentillesse et tout le service que tu as rendu à l'esprit des Algériens. Je salue tout le monde, et en particulier Zidane, s'il nous entend, je le salue, et je le remercie pour tout Popone, le bien. Popone. Non, Zidane et Sadan aussi. Zidane, le Canadien. C'est Penelope. Exactement. Non, franchement, et je remercie, top. Beaucoup son savoir. C'est là qu'on... Rien que pour ça, déjà, le fait que tu nous as fait... Découvrir ces gens. Les Algériens. Voilà, je te remercierai jamais assez. Parce que franchement, il n'y a pas plus beau que d'entendre un Algérien qui a une instruction aussi vaste dans le temps et sur le monde. Et franchement, c'est très bien. Ben aussi, je salue plein d'autres sans dire de nom parce que c'était un plaisir. Voilà. Okay. Et je te remercie et bonne vent et bonnes vacances surtout. Repose-toi bien et merci. Je salue tous les collègues qui sont là. Et Nadia aussi, Azulfelam et bonne vie aussi. Voilà, au bonne plaisir. Soirée, au plaisir. Merci. De vous reparler encore. Inch'Allah. Allez, je voulais parler de féminisme avec toi. Dommage. Rani Hina. Dommage. Allez. Ça parlait de féminisme, Béla, ouais.
Au plaisir, Amara, on discute quand tu veux. La mara mhgoura f dzaïr, c'est ça la conclusion. Hagra raha, hiya hagra raha. Non, mhgoura, s'il y a une chose où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est ça, de tous les lives, que la femme peut en Algérie, toute seule, prendre sa liberté, il n'y en a pas. Pour qu'elle la prenne, il faut qu'il y ait de la liberté, il n'y en a pas. Moi je peux te poser une question. Parce que je suis d'accord avec toi et avec Djilou. C'est-à-dire Djilou, je le comprends quand il dit « le mara hagra roha ». Alors, Smaï, on prend Jazaïria, Basseta, Zadet, Kebret, un milieu modeste, etc. Hagrena, Khawta, Hagra, etc. Il y a une tasse roha, Mahgora, on est bien d'accord. Tzouj, Rajla, Hagra. Il y a des drari, des garçons et des filles. تربي وليدها يحقر اختو انا على بالي بهذا الشيء على بالي بصح اي دونك اون كومونس با سي ليستوار دو لو في دو لا بول نو سي با لو في لا بول سي باسكو لو كان ما تربيش وليدها ديفيرامون بنتها عندها راجلها داعيها ويعس فيها اي اي بو ريان اي ني بو ريان Elle est obligée. Les enfants sont plus. C'est une pression. Ok. Les enfants sont avec la maman. Ils sont pas avec le papa. Mais c'est Djilou Tani a le droit parce que des fois, on a dit, je ne sais pas, peut-être la région de l'Arbeil. Moi, j'ai grandi dans une société où il y a déjà, ça veut dire les hommes ils vont manger les premiers. Déjà, ça commence par là. Par exemple, ouais. tu es invité à manger chez quelqu'un, tu as dit que le mari est serbé, ou bien tu as dit que le mari est serbé. Déjà, ça commence par là. وانت الا عندك خاوتك يماك تجي عندك تقول لك يا اوياس دي ميغما ما ديسو القهوه تجيب الخو كيشرب قهوه tu vois ça commence par tous ces ingrédients qui ont fait que la femme skina mahgour parce que c'est ancestral, c'est comme la religion, on les a skina s'il vous plaît, c'est ancestral. Je te dirais les cas dommage, je vois pas skina parce que là elle subit pas, là elle sert son frère machin, oui on va dire c'est un positionnement la famille, la société d'un kbar ou les jeunes, oui, c'est péjoratif, c'est tout ce que tu veux. Tu vois. Mais le hagara, c'est le temak, le hagara, c'est ailleurs. Il faut te gisser. Oui. Allez, on a que Faiza. Bonsoir. Ah. Oui. Salam Jirou. Salam. Salam les gens. L'équipe. Salam. Aslam Afaiza, bonsoir. Salut vous tous. Je voulais nahdar ala le féminisme ou bien quoi ou bien. Je voulais nahdar. Les... Ouais, vous parlez. Où est-ce que ça? Deux femmes contre six. Vas-y, Faiza. Cinq hommes. Elle s'en fout, Faiza, elle s'en fout. Khalou attendre. Je m'en fiche. On n'a pas peur. Voilà. Oui, en fait, je voulais dire sur l'égalité de la femme, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui veulent l'égalité, mais qui la veulent seulement que dans le dans le bon sens, quoi, les trucs bien, quoi. L'égalité, j'aimerais bien que mine rajel yortobomra, tu vois, tu sais qu'il donne pas à mec hadouk drahem hadouk sdaq et tout. Les robes et tout. C'est rétrograde, oui. Exactement, voilà. C'est ça que ça commence très mal. J'ai une question pour Sam, si vous permettez. Oui, oui. Comment on dit je vais me marier en Kabyle? Vrai Radzouja.
Non, Je non, du coup, veux, le ça terme qu'on c'est. utilise en Je Kabylie. peux, je vais me marier ou la habite en zawoud? On est là, on se zouj. Rahen zouj, ad zoujar, c'est le futur. Non, mais le terme qui est utilisé en Kabylie. Ben, ad zoujar, Parce que, on a les anciens, je vais construire une maison. on m'a dit. Derdar. On m'a dit, on m'a dit que l'expression qui est utilisée en Kabylie veut dire je vais acheter une femme. Est-ce que c'est vrai ou Oui, si tu adhères, c'est le verbe C'est acheter en vrai. kabyle. Ben ça serait plus de circonstances, ça serait plus Ah de, oui, j'aurais mieux non, mais dire ça. ça va dans les deux sens aussi, hein. Adhères gaz Je vais aussi. acheter une femme. Allez. Adhères gaz même, ça s'applique pour une femme qui veut épouser un monsieur. Voilà, ça se dit dans Ah, les deux sens, mais c'est une bonne remarque, c'est vrai. c'est bon, C'est c'est vrai, bon. Surad est vraiment Ouais, c'est bon. pertinent. Ando Ouais. l'œil du tigre. Surveillez vos micros, surveillez vos micros. Il y en a qui font du bruit. Allez. Ouais. Quelqu'un qui mange du Allez, chips. Pour une fois, prendre du Joe. chips. Joe, on accueille Joe. Joe, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Bonsoir, Nadia. Akram. Salut Bonsoir. Djilou. Salut Abdelkrim. Salut Amarah. Et Marhaba, marhaba, Mousse, là. Salut. marhaba. Et bien sûr à ta très belle chienne. Marhaba. Ça Ça dit comme ça fait Merci, bizarre ton truc. Bon, je vous appelle de Cologne, d'Allemagne. Et je vis à Cologne depuis le 4 octobre 1988. Et Welcome, welcome. yeah, Avant le thank 5 you. octobre, hein? Avant le 5 Ouais, octobre, le 4 c'est vraiment octobre. la folie, je te jure. J'ai pris l'avion à Francfort le 4 octobre 1988, le 5, ils m'ont appelé, tout a commencé. Je vous appelle. Smahlidjo, t'as fait mieux que moi. Aïe, t'as fait mieux que moi parce que moi je suis parti d'Alger le 1er octobre 1988, à 3 ans. Oh là là, c'est cool. دونك يا جزائريين هام ليك اللي داروا البوستيشات هام زوج وراحوا هادو هما اسباب 88 علي بازي جو Ok, alors je souhaiterais parler sur le conflit émotionnel qui existe entre les Algériens de l'étranger, c'est-à-dire nous, et les Algériens d'Algérie. Ça, c'est un point. Le deuxième point, j'aurais souhaité de l'intelligence sociale et émotionnelle. Et puis, le dernier, on a parlé d'Adolphe. Moi, je ne veux pas dire son nom de famille. Tout à l'heure, il y a un collègue, un intervenant qui a parlé d'Adolphe. Et puis, il a dit, ça serait cool qu'on laisse le parti Anassou continuer à se développer, etc., etc. Ça, c'est pas bien pour nous, parce que Oui, il sait pas ce qu'il dit. c'est pas ce qu'il dit, c'est pas trop cool pour nous qui habitent ici, parce que s'ils se développent comme 1939, 1933, etc., c'est pas les Juifs qui seront au bout du... C'est nous, hein, en fait. Non, Joe, juste une Ouais. petite remarque. Ada, c'est un petit gars de chez nous. C'est un Ouais. sentimental. C'est Ouais, un exactement. sentimental, tu vois. Exactement. Donc, Voilà, mais, faut pas le non, prendre au non, mais c'est pas grave. sérieux. Non, 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 c'est pas grave. Rien que pour une petite correction. Bon, moi, je veux parler des gens toxiques. Les gens toxiques, j'expliquerai rapidement. Je crois que vous savez tout ça. Moi, pour moi, une personne toxique, c'est une personne, lorsque tu la rencontres, tu la sens. Et tu as une pierre ou bien un caillou dans ton ventre. Donc ça, c'est toxique. C'est pas bien. Et moi, ce que je veux vous demander, vous avez des expériences lorsque vous partez au Bled, en Algérie. Normalement, tu viens avec tes cadeaux et tu es très content comme un petit garçon là. Et normalement, tu sais ce que tu cherches lorsque tu vas au bled, c'est l'affection, comme on dit en arabe, l'hnana. Ok? Et ce qui est fou, ce qui est vraiment fou, ce que j'ai remarqué chez d'autres amis, collègues, etc., qui habitent en France, au Canada, etc.,
lorsqu'ils partent en Algérie, je parle pas de tout le monde, hein. Je parle des gens dont j'ai fait les statistiques. Ils reçoivent un coup de fouet en plein figure émotionnel. C'est-à-dire, ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont attendu. Ma question, est-ce que vous avez fait cette expérience, messieurs, dames? Mais la question est ambiguë. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi le... Vous avez parlé de l'environnement. Vous parlez de l'environnement. Ouais, enfin. De l'aide en général. Parce que lorsqu'on va au bled, il n'y a pas que les parents comment dirais-je, c'est l'environnement, il y a tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire en commençant par la PAF, le policier de frontière. Les agressions. Juste, ouais, enfin, tout ce qui vient après. Tout ce qui vient après. Moi, j'aurais souhaité entendre vos expériences. Comment vous vous sentez lorsque vous êtes là-bas? Tu sais, je peux donner mon humble avis et puis je vous laisse parler. Oui, bien sûr. Un collègue, c'est proportionnel au nombre d'années que vous avez passé à l'étranger. Si vous êtes un nouvel immigrant, si je peux dire ça, ou là, je ne sais pas comment on les appelle en Europe, un nouveau débarqué, ou là, je ne sais pas. Il a un an, deux ans, trois, quatre, cinq, tu ne vas pas le ressentir parce que le logiciel TAC, il est toujours, il n'est pas mis à jour, il est toujours derrière. Ou que tu objection. Gardes toujours les mêmes habitudes et toujours. Objection. Vas-y, Nadia. Vous pouvez finir. Après, oui. Mais si tu as. Anna, je suis à l'étranger depuis combien? Peut-être 13, 14 ans. Donc, je me suis. Un étranger qui comptait donc les premières années 1, 2, 3, 4. Au contraire, lorsqu'on a le blé, très très content, on entre le film, l'aéroport, on entre le film direct. J'ai jamais été à l'étranger. Avec des années, tu es ancré là, tu as tes habitudes, donc après, tu arrives. Tu as du mal à digérer avec l'atmosphère, avec les remarques, avec le rire, l'hassad, avec les petites conneries, avec ta dzaïr, tu as du mal à les digérer. Donc, tu vois tes parents, tes frères et sœurs, tu as envie de repartir aussitôt possible. Donc, je pense que c'est avec les années où je vais laisser Nadia peut-être là un objet. Merci beaucoup. Nadia? Anna, je pense que, enfin, je pense pas que ça ait de rapport avec le nombre d'années que vous passez à l'étranger, parce que j'ai juste passé un an à l'extérieur et la dernière fois que je suis retournée, c'était un vrai choc. Non, j'ai été vraiment choquée. Pourtant, c'était juste un an. C'était un vrai choc en fait. Voilà. Je pense que c'est aussi, enfin. Je sais pas trop. Belek, à l'époque où Douka, c'est différent aussi. C'est en train d'évoluer très très rapidement Douka. D'autant plus que voilà qu'un cerveau jeune, je pense qu'il appréhende. Je sais pas ce que c'est parce que left rapidement ici. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense pas que ça ait de rapport avec le nombre d'années qu'on passe à l'extérieur en fait. Nadia, d'ici 10 ans, c'est toujours si tu es toujours inchallah en bonne santé à l'étranger, tu vas peut-être recalculer ton. Tu vas penser autrement, tu vas voir. Ça. On n'est pas encore là. Merci Sam, merci Joe. Merci beaucoup. Allez, à quoi à la fin. Joe, allez, bon, au plaisir. Bon, moi, je vous rassure tous, hein, je ne vis pas à l'étranger, je vis en Algérie, mais je le ressens le truc. Hein. C'est rien, on s'en fout, où tu vis. Non, mais je voulais soulever le point, je trouve que c'est dans la tête en fait. C'est une question de mentalité, je pense. Allez, on va prendre... le point. Non, l'autre il m'a cassé, attends. On va prendre Nadia Bis. Mesa el khair. Bonsoir. Hello. Bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir. Allez, on t'écoute. Le point. Oui, je ne suis pas Nadia, je suis la sœur. Hakda qu'on a Nadia Bis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Aslam. C'est absolument le même timbre de voix de toute façon. Ah, c'est des sœurs, hein.
Oui. Ah, mais moi j'ai quatre sœurs, il n'y en a aucune qui a la voix de l'autre. Mais j'espère qu'elles n'ont pas ta voix en tout cas, Moussa. C'est la preuve irréfutable que leur maman n'a pas fait de bêtises, n'a pas fait de conneries. Merci pour la mienne. Dilou, vous êtes convaincu que je suis. Dilou? Oui. Vous êtes convaincu que je suis la sœur Anindya et pas Anindya? Est-ce que vous êtes convaincu? Je ne suis pas convaincu, tu me l'as bah, dit. Moi, je vous crois. Hein. Vous le dites, je le crois. Non, non, parce que oui, je crois. Oui, convaincu. Des... Mais tu as la voix. Vous êtes plus posé, je pense. Le problème de. Enfin, pas le problème de l'immigration. Me concernant, Anna, je n'avais pas visionné de, par exemple, de vivre ma vie en dehors de l'Algérie. Ma sœur, elle s'est mariée ici, aux États-Unis. On était tellement unis que je passais mon temps, on passait le temps à s'appeler. Qui est NFZR, où il y a ici. Ouais, j'imagine. Ben, voilà, on s'appelait tout le temps. Et je vais vous dire une chose aussi. J'avais aussi des préjugés à les Américains, en général. Elle était du côté des Américains, moi j'étais du côté du RSS, sur tous les Jeux Olympiques. On aimait bien les Olympiades. Alors moi, à chaque fois que les Américains parlaient avec l'Alem, je brûlais de jalousie. Je au point de la fâcher. Il devait y avoir de l'ambiance alors. Oui, on était jeunes, on était 16 ans, 17 ans, comme ça. Et pour vous dire que l'Amérique ne m'a jamais intéressée parce que, bon, moi, j'étais un peu... Mon caractère était... Je suis très terre-à-terre et j'adorais, je ne sais pas, Naya, écouter les gens. Et même dans mon lycée, on était dans deux différents lycées. Il y a... Bon, c'était un lycée à la Chichi, ou on a, c'était l'inverse. Mes copines, c'était vraiment des gens très simples et j'adorais ça. Et j'ai beaucoup appris de beaucoup de gens. Et jusqu'à présent. La question est très forte, hein? La question est petite, hein? Non, non, on s'entend très, très bien. Non, qui fait le préjugé, qui fait qu'on a un débkéré. C'est-à-dire tout ce qui était américain pour moi, oh, c'est le diable, c'est le... Qui mène, enfin, comme tout, d'après ce que j'entends les gens, tout de suite, c'est le complot américain... La politique américaine ma cache les rôles que Nazia, mais je voulais dire, c'est ce que je voulais dire à vrai dire. Et même certains politiciens, ils sont contre la politique américaine. Les deux pôles, les démocrates et les républicains, c'est la même sauce. C'est juste non pour vous dire qu'il y a des gens ici qui sont conscients. Par exemple, j'ai entendu dire que les Américains sont des abrutis. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y en a quand même, il y en a pas mal. Il y en a comme partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, qu'il y a une mlech ou qu'il y a une donnée. Et puis même, c'est-à-dire qu'ils sont trop naïfs, qu'ils ne sont pas du tout politisés, qu'ils sont politisés. Bon, bref. Bon, je vais vous raconter un peu je me suis très vite intégrée ici. Et comment? Eh bien, une fois, j'ai visité ma sœur ici. Et elle travaillait dans une boîte dont le PDG, c'était une femme. Et elle lui a dit, voilà, je ne viens pas un certain jour parce que ma sœur est venue, donc je vais prendre quelques jours. La dame a dit qu'elle soit la bienvenue dans notre compagnie, il faut l'introduire, il faut... Eh bien, le jour où j'étais à la compagnie de ma sœur, ils ont fait ce qu'ils appellent le potluck, ça veut dire chaque employé, j'ai oublié mon français, chacun ramenait quelque chose de chez soi, et puis ça parlait de tout, c'était une ambiance vraiment conviviale. J'ai parlé à la directrice et tout le monde était... Il n'y avait pas le snobisme, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Et la directrice elle-même, elle m'a dit qu'est-ce que vous faites. Je lui ai dit, je fais exactement le même processus que ma sœur. Elle m'a mis tout de suite au test, tout de suite. Elle m'a dit, je voudrais bien voir qu'est-ce que vous en pensez de cette application, Hagda. Voilà. Elle m'a mis et puis bon, j'ai donné mon avis. Elle était... et pourtant, je ne connais... Moi et l'anglais, ça faisait deux. Je ne parlais pas bien l'anglais. Mais il y avait Nadia qui traduisait un petit peu à l'époque. Et elle lui a dit...
elle lui a dit, voilà. Et c'était avec le waqt tal irhab, parce que Nadia elle parlait de l'Algérie, pourquoi elle est venue, etc. Donc la dame, elle dit que la directrice, c'est elle qui m'a dit, voilà, je vous propose une chose. Bon, je ne raconte pas tous les détails, mais c'est oui, elle... Oui, passons les détails. Yeah, passons sur les détails. C'est elle qui a fait que elle m'a aidé à venir aux États-Unis et à faire mes papiers. C'est après que j'ai su que c'était une juive, et etc., etc. Bon, disons que je me suis intégrée très, très, très vite parce qu'il y a de tout ici. Et les gens sont très, très, très amicaux, c'est-à-dire... ils n'ont pas de préjugés, c'est ce que j'ai adoré ici. Ils n'ont pas de préjugés, c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est OK. On ne dira pas bon, mais tout le monde est OK. Et voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Merci. Et aussi, je voulais aussi pour le féminisme là. Moi, je suis à peu près d'accord avec Nadia, sauf que je ne suis pas d'accord pour le partage des rôles. Pour moi, le rôle de à chacun a ses capacités et le rôle de chacun, c'est c'est-à-dire travailler, c'est faire ce qu'il aime et progresser, apprendre toujours. C'est jamais assez pour apprendre. On peut toujours lire. Il y a des gens artistiques qui font de l'art et ils prospèrent dans ça. Il y a des gens qui font du technique qui prospèrent dans ça. Et ça, la femme et l'homme, pour moi, c'est, je dirais qu'ils ont les mêmes droits, les mêmes responsabilités. Mais parfois, il y a des couples où la femme, elle est plus forte que l'homme. L'homme est plus fort que, c'est-à-dire physiquement. Donc, les lois, je veux dire, les tâches ne sont pas appropriées à la femme d'autres tâches sont appropriées à l'homme. On peut faire un mixage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est juste que... Merci. Au revoir. J'aurais adoré vous dire revenez souvent, mais comme c'est la dernière. Alors, on fait vite. Merci à toi, Joe. Alors, Ziyana. Je voudrais juste rappeler entre-temps que l'homme ne peut pas enfanter. Voilà. Je dis ça, je dis rien. T'as dit quoi ? L'homme quoi ? Ne peut pas la enfanter. Femme non plus sans l'homme. Hein. Et s'il n'y avait pas l'homme, la femme... Voilà, chacun son rôle. Voilà. Mais en tout cas, nous, on est très contents de ne pas enfanter. Crois-moi bien. J'en doute pas. T'imagines les douleurs là, moi j'étais sur la table et on te dit pousse, alors. Et toi t'es en train de... Non, mais... Il faudrait qu'on fasse un live sur ça. Rien que pour ça, je remercie, si Dieu existe, je le remercie de m'avoir créé, homme. Il y a deux mois, j'ai fait des chroniques néphrétiques, on m'a dit que c'était la même chose. Oui. Ziyan, attends, pardon, Mousse. Ziyan, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Je viens d'arriver, hein, j'ai allumé l'ordi. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, apparemment, ça va s'arrêter l'émission, Dilo, non? Ah, ça, tout en une fois, mon ami. Ah, bien sûr, tout un début, une fois. Voilà. Tu nous as habitués. Exactement. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que voilà, il y en aura, en espérant qu'il y en aura quelqu'un d'autre, faire à peu près la même chose, ou mieux peut-être, pourquoi pas. Ah, après, bien sûr, chacun chez. Voilà. Bon, en tout cas, je viens d'arriver, j'ai allumé l'ordinateur, et puis, comme d'habitude, je me suis dit, tiens, allez, on va écouter Dilou, étant donné que j'ai eu un message. Et puis voilà, donc après, bon, concernant la femme, je crois qu'elle a sa. Voilà son rôle, bien sûr, ça reste toujours comme ça. Hein, elle a un rôle à jouer dans la vie de couple ou dans la vie quotidienne. Et puis l'homme aussi, chacun a sa tâche, parce qu'il y a certaines tâches où l'homme ne peut pas se mêler dans les affaires de femme. Et la femme aussi, c'est vice-versa. Il me semble que c'est comme ça la vie. Mais ça reste bien sûr les droits de femme. Moi, je dis toujours, comme tu le dis, hein, c'est à la femme de se battre et avoir ses droits. Si elle bouge pas,
Moi, je vois pas vraiment l'homme, il va réfléchir, il va dire, tiens, les droits de la femme, c'est le droit de l'homme, c'est le droit de l'homme, en général, c'est ça. Mais la femme, elle a tout intérêt de se battre et d'avoir ses droits. Et bien sûr, l'égalité, je dirais oui, c'est bien sûr tout à fait normal, parce qu'on est tous pareils, à la naissance, on est tous pareils, on est tous égaux, et pourquoi pas dans la vie aussi. Donc après, c'est à elle de se battre. C'est à elle de se battre comme dans le monde entier. Hein. Il n'y a pas de raison qu'elle ne va pas y arriver. Et bien sûr, il reste toujours le petit pourcentage. Mais si une gazelle, elle doit se battre contre un lion, tu veux faire quoi? Justement, je voulais juste soulever mais un point. Moi, je crois qu'il y a vraiment un malentendu, les gars. Si on estime que des femmes algériennes, on parle que de l'Algérie, si on estime que des femmes algériennes, comme elles sont piétinées, c'est parce qu'elles le veulent bien et qu'elles pourraient changer les choses, de deux choses l'une. Ou alors, elles peuvent se libérer et elles aiment ça, donc ce sont des sadomaso, ou alors elles sont soumises à des mecs qui les dominent physiquement naturellement. Voilà. Moi ce que je pourrais relever, je pense que ce que vous venez de dire, enfin je connais pas votre nom, ce que vous venez de dire, je pense que c'est Zian, voilà, c'est je pense que c'est ça le mal, les rahouf d'air en fait, c'est à la femme. J'ai pas envie de m'étaler dessus parce que je sais pas trop d'où ça vient. Je pense que j'ai pas envie de m'étaler à l'intention des gens en fait. Mais je pense que le mal, il faut que la femme elle s'émancipe, il faut que la femme elle ramène ses droits, etc. Et l'homme il est où dans tout ça? Exactement. L'homme est un abruti. L'homme ne lui tend pas la main. Je suis désolé. L'homme est un abruti notoire. L'homme est un abruti. Il ne le prouve tous les jours, que ce soit le Hukuma, que ce soit la télévision algérienne, avec les Kamakala, Ramb Ibrahim Nab, ce sont des abrutis notoires. Chauffez. Déjà les mères. Ce n'est pas des abrutis, ça les arrange. Attends. Les mères, il faut qu'elles changent d'attitude envers leurs enfants. Les éduquer équitablement, filles et garçons. Hadi, c'est primordial. Ensuite, non, il ne pourra rien. La femme est plus forte avec les enfants que le père. Elle est plus forte, nettement plus forte. Comment peut-elle élever les enfants toute seule? Je mais dis que quand le père n'est pas là, c'est la femme qui est avec les enfants, non? Puisque et après, avec le père. Dès que le père il est et là, l'environnement est contre la femme. À la fille. Vous me laissez pas finir. Et à la bac, chaque wahed, c'est à lui d'arracher ses droits. Personne ne va vers vous, vous amènera. Voilà. On ne s'attend à rien de la part des hommes, juste une. Non, mais c'est pas ça. C'est pas que vous attendez ou pas. Dans la vie, il faut savoir arracher ses droits aussi. Ses droits, il faut. Moi, j'ai dit boule que vos droits dans un plateau. Sinon, ouais, le tiens, tenez, madame. Non, il faut y aller toujours au bout du rouleau pour aller chercher. La femme en Algérie, et déjà on a plein de tabous, nous. C'est une société à plein de tabous. Donc il y a de la tradition, les traditions ternaires, il y a des tabous dans les tabous, c'est une tradition. Donc c'est complémentaire. Donc c'est à nous. Moi je dirais toujours, c'est à la femme d'y aller arracher ses droits. C'est pas en dénigrant, hein, on n'est pas là pour dénigrer la femme, pas du tout. La chose a changé. Les gens se sont évolués depuis le temps. L'homme aussi s'est évolué. Il a compris que la femme est importante. Elle joue un rôle, une plateforme très importante. Vous pensez que l'homme a évolué et a compris la place de la femme? Ben si, il a compris. Pourquoi il n'a pas compris? Bon, maintenant, parce si que Anna Demerbi, c'est ça la source. Si tu prends maintenant l'exemple de l'Algérie, ce n'est jamais été un exemple l'Algérie. Je ne parle même pas de l'Algérie uniquement. En général, quand je parle en général, l'humanité. D'aujourd'hui, elle s'est évoluée par rapport aux années 60. Elle a pris quand même des postes très importants. Elle s'est évoluée dans la vie grâce ou à cause de ses révoltes. Elle se révolte tout le temps. Elle se manifeste tout le temps. Et ben, faut dire la vérité. Après, bien sûr, je dirais c'est vrai et vrai plutôt par rapport à son mérite, par rapport à ses compétences.
peut-être elle est mal rémunérée, ça c'est vrai, mais ça reste quand même, c'est un combat, c'est un long combat, et puis voilà. Mais il me semble maintenant, si tu prends l'exemple de l'Algérie, malheureusement l'Algérie, elle va dans tous les sens, elle est médiocre, dans tous les niveaux elle est médiocre, mais par rapport à avant, bien sûr, l'Algérie s'est évolué par rapport aux droits de femmes aussi, aux droits de la femme aussi, il faut dire la vérité, mais on va pas... عشنا رجعوها دوبل زيرو البلاد هذه راهي كيما البلدان الاخرين بون فيها الخنباش فيها السوسي فيها السولا سا سي سي اون سي اون او كورون مي بار رابور اوز اني 70 80 سي ايفولي كوم ميم فو دير لا فيريتي اون با ما عادش نرجعوهم كاع زوين ما عادش نرجعوهم كاع اون با لي بلامي سي جون لا ان تي بو سي فري وي مي فو فو اتر رياليست كوم ميم ميتنون كيما السيد اللي عيط من المان قال لك فوالا الى بوزي لا كيسيون بور سافوار الى ريزون Elle a raison, il voulait savoir, là, il voulait avoir une réponse. On vit dans une société individualiste. En Europe, en général, surtout peut-être que c'est l'Allemagne ou la France, il n'y a pas une énorme différence. Hein. C'est, on vit dans une société individualiste. On est tous individualistes. Je me dis déjà 20 ans en face de toi, j'ai entendu une histoire qui était vraiment formelle et véridique. Hein. Deux frères, et ils ne se connaissent pas, alors que les deux, ils habitent face à l'autre. C'est-à-dire l'immeuble d'à côté et l'autre en face. Il n'y a pas. Ça fait 20 ans, alors qu'ils se c'est en face. On vit dans une société individualiste. D'ailleurs, le temps, on n'a pas le temps. La vie en Algérie, elle est à peu près socialiste. C'est-à-dire, on vit dans le Fouga où on est à 10 km, on dit qu'il est à l'autre côté, parce qu'on a une vie, elle est très différente. Trouhé aussi américain, c'est différent. Trouhé l'Italie. L'Italie, le sud de l'Italie, c'est presque comme l'Algérie. Trouhé le sud de l'Espagne, c'est à peu près comme le Maghreb. On ne faut pas dire que voilà, tiens, l'Afrique du Nord. On se change. Oui, voilà, l'Afrique du Nord, kiff. Voilà, mais ça, d'ailleurs, l'insane dit dit, mais le wilaya, il t'bdel. تجي من الجزائر تهبط لتيزي وزو تتبدل تروح من تيزي وزو تروح للوهران تتبدل من الوهران تروح لتيزي وزو تتبدل عقليه الوغ كاين اللي ما تبدلش معناتها tu veux pas s'intégrer avec cette communauté. L'homme lui-même avec un grand H ou avec un grand H bien sûr l'abd l'insan يتبدل الا ما تبدلش معناتها ما حبش يتافونسي معناتها راسو حبس ما سي با دير اللي تبدل دون سونس نيجاتيف با دي تو الانسان يتبدل سي دير اي ساميليور اي افونس ما تنجميش انت راكي الجرواز تروحي لبجايه تبدلي العقليه ولا تريحي غير انا الجرواز وهذوك واش يكونوا تي ميو نو او يقول لك ماشي ان بوجوت شويه ان بوجوت ما حبش يتبدل وما حبش يولي الجرواز ولا ما حبش يتبدل كيما الاخوان واش معناتها تي ميو كلي زوت نو سي با بوسيبل جيبو مورقله الجزائري يقول لك نو ما نحبكناش كيما ورقله حتى الانسان حابس ما حبش سا با دير كي الجرواز سون ميو ولا الجرواز يسو سون بلو سوبيريور على الناس تاع ورقله نو سي فو الانسان يتبدل في العقليه تاعو اي سي كوم سا الناس كاع يتبدلوا الا ما تبدلش معناتها تاع ان بروبليم ولكن صحاب الزحف الريفي ما يبدلش العقليه تاعو خلينا هذاك سي نوتر سوجي اسمه زحف الريف اي ولا جيت لا في يفو تادابتي وي او مود دو في تاع لي سي في تاع اكزاكتومون يفو سادابتي ا المود دو في دو تل اندرو سا سي توت افي نورمال دوك تروح الجزائر يصادفوك في لاباف يقولوا لك حاجه الي با كويرونت و الي با سونسي معناتها يقولوا لك حاجه ما عجبتكش ايبا حنا في فرنسا هنا في اوروبا ماشي غير في فرنسا كاين بلايص وين يقولوا لنا حوايج ما يعجبوناش فو دير لا فيريتي فوالا اون اوبليجي دو ديفوندر ميم ما جو ديفون با لا جيريس معناتها انا الجزائريه ولا نحب بلادي نو فو دير لا فيريتي تل كالي بافيست هذا الا كان مزنزن من راسه ولا ماشي مربي حطوه تما بالمعرفه ولا بيان سي تتا في نورمال لان الناس راهي تتطور لو بافي سي اون شوز الجزائريان لا اون اي توس ديجا الجزائريان اوكي اون اي توس ديجا الجزائريان ميرسي زيان توس با ميرسي يا حمال ديكوب ابا جيلو ان سي جور ان شاء الله تعاود تولي ترونكيل مو الا كتب الله سامر هكذا ميرسي على خير سلامه في لامان سلامه الوغ جوست ان ميساج كو جو دو Vous lire de la part de la sœur de Nadia. Alors, Katli, je tiens à dire que Nadia est une personne très bonne. Elle a aidé beaucoup de personnes sans attendre aucun retour. Elle est très bosseuse et plus sociable que moi. Donc, voilà. Mais on l'aime, Nadia. Et elle dit qu'elle adore sa sœur et que c'est une personne sur qui on peut compter.
Et moi, je suis convaincu de ce que tu as dit, et je suis convaincu de Nadia, parce que j'ai connu Nadia avant de te connaître toi. Et je peux te dire que, effectivement, Nadia, c'est une femme sympathique. C'est une femme que j'admire et que j'aime beaucoup. Voilà. C'est vrai. Alors, on passe au suivant. Au suivant. Et on fait vite, vite, vite. Ma cache au popo. Free thinker, Aoudjé Poupon. Poupon au K19, bad. Et l'équipe de chat. C'était quoi ta question de passage tout à l'heure? La rahat. واو اصبر نربو بيني اذا لقيت هاني نقول لك كنا نحكوا الفيمينيزم وكاع خلونا بكلمة فيمينيزم حمل ليكم والله كنا نحكوا على لا فام وش بيها على فام اه وي نو سيتي بارابور او ديسكور دو مسيو لا كيسيون ايتي سامبل كومون ابليكي سو كي دي كونكريتمون سور لو تي واش يديروا هاد النساء ينوضوا الصباح يروحوا يديروا مانيف كومون سا فا سباسي فهمني كونكريتمون سي كوا Parce que oui, elle est belle quand on parle de combat, de machin. Oui, l'hadara sahla, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas se Justement, c'est pour ça manifester, notre ou lettre. dire la grève sur la cuisine, ou dire la grève. Head le discours. Pardon. Pardon. Asbet les kemmel, je suis désolée. Non, non, vas-y, vas-y, kemmel. Le discours parce que j'ai l'impression que c'est déléguer la responsabilité en fait. Alors que la responsabilité, elle est partagée. Mais qu'est-ce qui fait? La responsabilité, elle est partagée par les deux. Il a une coopération, mais les deux. C'est vrai que la femme, elle doit se réveiller, c'est un être humain qui m'a et qu'elle a des droits, qu'elle a des devoirs, etc. Sauf que l'homme aussi doit se rendre compte que la femme, c'est un être humain qui m'a qui m'a rien, et que dans le monde dans les sociétés la femme a besoin qu'on lui tendre la main en quelque sorte, en tout cas, entre des considérations autorales. Oui, Smihel et Nadia, est-ce que, regarde l'équation, tu as pris en considération chose qui existe, et je peux dire qu'elle existe avec un bon pourcentage, parce que je m'accroche la majorité, avec la femme ou avec l'homme, qui. Ils s'y plaisent dans leur vie, avec la femme, les adjuba, le hal, fadar. وفي بيان الخمس سور سنين الاولين تاع الزواج تدي 50 كيلو وراهي تربي في 4 دراري ونهار كامل في بيان التليفون سور راه الاخرى راجلها شرى لها التلفزيون الاخرى شرى لها ذهب و اكسيتيرا يا دي جون ils sont contents بصحتها بالك يا دي فام تاع فينتيا اون اوروب تحكي لها تقول لك انت مزلفه تحكي لها انت تنوضي صباح تنافيكي تبوجي يا دروا تا غوش لي زيتود الخدمه انا انا سي با انا طرش برك مي فوالا كو تقول لك تيفون كان انا Allez. 10 في غربي نو نو جو لا برون اون كونت ايا ناديا استبعي فري ثينكر نو سي كي سي ايه انا انا فري ثينكر وي اذنك اذنك ازف لك ازف لو ازف لو اسلام دو باساج ما تكونش نروحي ده قلقتك فيها لا 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 قاعد قاعد اذا بار جو تو في سيت بروبوزيسيون جو بو ريان دو بلوس بور تو يا حبيبي واش راك واش راكم كاع واش راكم كاع واش تجي لهم مالها خلاص واه يتيغ تا ريفيرونس كيما يقولوا واه 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 يا خو يعطيك الصحة يعطيك الصحة جو بونس كو تا كونتريبيسيون ايتي T'es quand même assez, je dirais pas appréciable, mais beaucoup plus que ça. Merci. Je pense que, je sais pas si tu as transmis un message ou là. En tout cas, tu as communiqué, tu as parlé du problème profond à Al-Bled. Tu l'as bien identifié. À mon avis, bien sûr, les moyens qu'il faut pour régler ce problème-là, on en parle, et puis la solution miracle n'existe pas, mais c'est ça, c'est ça le plus grand problème qu'on a. Maintenant, ce n'est pas un conseil que je vais donner, je ne vais pas paraître comme étant un paternaliste ou le malabalishanaya. Au contraire,
les Algériens, ils soient ouverts d'esprit. Quand on leur dit quelque chose, quand on leur balance quelque chose, une affirmation, quoi que ce soit, il faut valider. Il faut questionner tout. Il faut jamais rien prendre pour de l'argent comptant. Aussi simple que ça. Il faut tout questionner, peu importe, même Hajat Adin, même des constantes, il faut les questionner. Des vérités, oui, à partir du moment où il y a une preuve irréfutable sur quelque chose, je suis sûr que tu vas pas questionner une preuve irréfutable. Ou c'est ça, donc, la femme, Anna, ouais, j'aimerais bien voir la femme algérienne. C'est marqué toujours, comme par hasard, Lyon, une entrevue avec la dame, elle s'appelle Juliette Kayam. Juliette Kayam, je pense. C'est une Libanaise qui a immigré aux États-Unis. Je pense qu'elle a immigré jeune. Elle est la conseillère FLA Sécurité Intérieure. T'as les présidents Bush, Obama. Bon, en ce moment, non. En ce moment, elle est plus... en ce moment, elle est consultante. En fait, elle a bâti sa compagnie en gestion de risque en général. Donc, les situations d'urgence, les situations... Je l'ai entendu parler. Yahoo, madabi, on se met à les Algériens, actac. Ouahde la confiance, ouahde sur d'elle-même, sur pas mal d'aspects. En plus, l'entrevue, elle a été menée par une personnalité, un psychologue qui est de renom aux États-Unis, qui a des idées techniques très... des idées très, comment dire, très tranchées sur pas mal de sujets. Mais comment elle mène le débat, comment elle... Et ça se voit que c'est une femme de terrain. Ben, nous en avons plusieurs comme ça, plusieurs dames. Exactement. Chauffe, Anna, j'allais revenir. Bah, Jamila Bouhered et compagnie. Anna, j'allais dire, pourtant on en avait... des femmes comme ça. Non, on en a pas mal. Hein. Mais on les voit pas, Gilles. Ouais, tu les vois pas, les médias algériens, mais tu les vois ailleurs. Les médias algériens, oui, oui, Hamadash, Kamakala, mais ils veulent que les gens qui travaillent, les gens qui travaillent le pays, c'est normal. Exactement. Des femmes influentes. Ouais. Bien sûr, avec la complicité de l'homme. Ça, il ne faut pas le nier. Bachelachko a muselé la femme à ce point-là. Et il y a eu une complicité, l'autre sexe, qu'on le veuille ou pas. Et je l'ai toujours dit, l'homme en Algérie s'exprime. C'est la femme qui ne s'exprime pas, qui est muselée. Un bel état, non? Non, non. Non, ok. De passage, que tu te les couples qui vivent bien, qui sont tranquilles, ou, ils aiment leur façon. C'est-à-dire la femme, elle accepte avec la façon de vivre et tout. J'ai beaucoup de réserves par rapport à cette affirmation-là. C'est vrai. On le voit, ça a un clair. On le voit. Mais au fin fond de Hadik, la personne Hadik, si tu lui donnais le choix de faire autre chose que ce qu'elle fait, c'est là qu'il faut voir quel genre de choix elle prendrait. Quand on lui donne le choix sans questionner son choix, sans le questionner, sans lui dire ouais, mais attends, t'es sûr que tu veux faire ce choix-là? C'est là qu'on pourrait voir dans quelle direction elle va aller. À un moment donné, les gens, quand ils vivent,
ils vivent la fatalité, puis voilà, donc j'ai pas le choix, je vais vivre comme ça, puis c'est tout. Donc moi j'ai beaucoup de réserves par rapport à cette affirmation-là. Adam Khan, dis-nous. Ok, merci Free Thinker. Et tout. Allez, à la prochaine. Slama. Slama. Allez, on va prendre K19 et Saden. Et après, j'ai retenu, hein. Et après ce sera Zidane. Ah oui, on va parler un peu de civilisation grecque et romaine. Ouais. Ah oui. Popol Masal Khir, K19 Masal Khir. Bonjour, alaikum. Wa alaikum, bonjour. Saha, K19. Bonsoir. Chakhir, alaikum. Masal Khir, Popol. Ahlan wa sahlan. علاش تضحكي يا المنافقة؟ علاش؟ باسكو بوبون غيورة با. نادي اقترح الحامي عليك دوكا خلاص. انا جو سوي كونتونت كي سمعت لافوا. اش على بالي. ايه على بالي. بصح فري ثينكر كان يقول لك ما عندناش نساء وكذا، جيت رايح نقول له هاي بوبونا تاعنا، هاي ليك شوشة جون كذا، ورحلات متزاير وراهي من الخارج وراهي تهدر وتشارك. دونك اون ا دي فام، لا بروف لا. وبلي بروف بريسين كاسي ريفيطابل. اسمعوا فيك. اه واش حبيت نقول له؟ كيفاش تجي له هديه تاعك رايح تما كيفاه؟ اه تما انا روح كيما نحب، انا حر يا صاحبي. تما انا ما نزيدش نهضر خلاص. واسي ديريكت. وين واسي ديريكت؟ قال له شيء كاين بزاف لي ديريكت على هنا. انا سيت اون انفينيتي كجي سونتي بروبي جور، وتحبس نحبس. اي واش تحب؟ انا حبس انا حبسو. اي والله تحبس. ايوا نحبس ديالو نحبس، سي كوم سا، سي با اوترومون، اي بي سي تو. وتانيك جو برون دي لوكازيون دو تو ريميرسي انورميمون بور تو سك تو ا في. على بالك بلي ماشي سهل، هذا واجب. انا يا با مي ريميرسي والله العظيم يا خوا، غير جو كونسيدير سا كوم واجب. جو ني اوكان ريميرسيمون ريسيفوار، هذا واجب. اي جو سوي كونفانكي كون كاين بزاف جزائريين اللي راهم يتبعوا في هذا اللايف، كون يعرفوا كيفاش يديروا اللايف هذايا، كانوا يواسيوه سون زوكان بروبليم. ولهذا نعاود ندير النداء، ولا حبيت تواسي اللايف ابعث لي، قول لي نفهمك، نعطيك لي لوجيسيال ونعلمك، بصح لازم يكون عندك شويه كونيسونس كون ميم اون انفورماتيك، ما تكونش فوالا. خلي كاديشنا في قلنا ما يريد من فضلك سعدان، اذا حبيت سعدان. نو بيان سور بيان سور. كاديشنا ميرسي، يعطيكم الصحه. نقول لك ايزي ما تجيش الى هذه تاع بيتات كينغ، الى ما فيهاش بيتات كيوي نورمالمون قرمية، وا كاش ما تعطينا فيدباك من جهتها، كاش ما تهدر واش تحب موا بوغ اون فوا سي سي بوسيبل، قولنا واش سوفرات معانا. الله ميرسي، هي تاني كوميم نقولو سي امبورتون في الشات نقي الدعوة. قرمية سون قرمية يوغي با يو دو، J'aurais jamais tenu. Écoute, le chat. Oui, oui. Le chat, ça affecte. Donc, les remerciements sont beaucoup plus liés. Mais d'abord, on ne sait pas. Je me dis que 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 je C'est la voix off de Secret Story. Moi, ça lui a dragué parce que tu l'as pas bien. C'est vrai. J'ai eu cet honneur. Et je l'adore, vraiment. J'aime bien. Une femme extraordinaire. Je l'adore. Jiro, l'équipe, malgré les rêves, fais-moi depuis le temps, quand même. كاين لي ولاو براتيكمون اون فامي مور لو لايف هذا، غير من الشات، غير من لي ديسكسيون تاع
T'as des sujets ou quand il y a des amitiés qui se sont développées, ou quand il y a des nickness, il y a quelques supports. Des liquidités, c'est ma mère, c'est qu'avec du recul, parce que Manichar, franchement, la décision est des ninjas. Je suis un peu que Manichar, il faut me dire que j'ai la machine à dire ça. Ben, avec du recul, je vais faire une vidéo. C'est simple, mais ما درت هكذا نحكيت علاش انا قلت جي دوموندي اون بارتيسيپاسيون فينانسيير لان ما نقدرش فير لو لايف سوني با ريان وكون هاد الخدمه اللي نقدمها نقدمها كاش تيليفزيون راهو سالير توب الفي ايه انا جي دوموندي لو ستريكت مينيموم يعني ما حاجه Mais je comprends parfaitement, les gens ne sont pas intéressés en fait par ça. Voilà. Mais ils ne sont pas intéressés par ça. Ça. C'est sûr. Donc, beaucoup mieux placé, je t'arrive. Mais où je suis arrivé, 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 je te promets. اللي كاينين كاين ديك ما نقولكش شعال ولا شكون ولا نساء ولا رجال كاينين نقصوها من الدخان تاعهم باش يشري الداتا باش يشري الانترنت ويتبع هضر واش حبيت صافي تو دي كاينين تما كاين بزاف بالك ما تبانش ملي ما بارتيسيبيوش كاينين بزاف اللي ينحيوها من كاش حاجه باش يديروها في الله هذه ليك صديق مامي لا ما يتفاهموش معاك بالك جو سي با ما نعرف واش يقدر يكومونتي ولا واش يحكي ولا مي هذا سي تون في وكاين اللي سمعت بهم ثاني واحد اخرين كاين اللي عندهم لا سيتوياسيون شويه عيانه دوك انت عندك في لي ستاتستيك تاعك ضربت الله الا بزاف في الجزائر سا سو كومبرون ثاني مي اون تو لي كان انت درت حاجه ما تشراش بالدراهم c'est des liens, c'est des amitiés, c'est des idées les banou hna mi banou je fais jiha wahed okhra c'est-à-dire c'est pas facile surtout net m'intéresser la sociologie ou la psychologie parce que ma handna aucun il a tchfak t ngoul lek puisque ma handnach des bases hakdaya hnaya c'est une mine d'or كل واحد كيفاش يشوفها اكتشفنا بعضنا ما نكذبش عليك باسكو هذه مام في الجزائر في الحومه يا دي تروك اللي ما تجيش في بالي نقدر نسمع بهم تماك يعني رانا ان بو بارتو ولا مام في الجزائر ان بو بارتو من فوق لتحت اي سو سري سامبا لو كان ثاني بالك بلاغي هذايا سا فا بوسي دوتر باسكو لا فولونتي راهي كاينه جو ليسبر كي دي جون كي qui discute, هذا اللي خصنا هذا هو اللي منعوه علينا alors je شوف انت راك في الدنيا هكذا على بالك يقدر يجيك ان موفي كو اللي يحتاج دراهم il faut toujours avoir de l'argent de côté on est d'accord ولا لا لا هذه مفروغ منها si moi je dois puiser dans cette réserve qui peut me sauver d'une situation catastrophique des dunia mais la balak chouche sera في الدنيا هذه على بالك شو سيصرا ما تقدرش تعرف واش راح يصرا غدوه غير غدوه او موا عندك ان سيكوريتي مي موا je peux encore bosser je peux travailler هل انا نبقى مريح ونواسي في الديريكت راك سا ما رابورت ريان il faut dire le j'ai pris ça tellement à cœur que ça me prend plusieurs heures c'est comme ça Si tu veux faire quelque chose de bien, quelque chose de nest se sent à l'aise, il y a droit à l'aise, c'est tout à fait logique et normal. Yani que les gens viennent. Le but c'est pas. Ah j'ai pas demandé d'être. Je ne veux pas être. Je sais que je ne colle comme. Ah je veux être louche. Être louche, il n'a pas besoin ni de X ni de Y pour vivre. وانا يا شوف نحب ندير ان فواياج درك نديرو التطاوي اللي باع درك نروح نشري البيت تاعي ونروح للتطاوي اللي باع ما نسحق حتى واحد بالا كان شي ناس جاهم الظن باللي انا يا يعني جوي يوتيليزي سيت اسباس ا دي فان باش نروح نحوس وباش نروح شوفوا هاد الوجه لا شوفوا هاد الوجه هذا اي نا با بيزوان دو توا ني دو طون ارجون هاد الوجه بدرعه يروح
ما كان حتى واحد يخلص له حتى حاجة impossible. وإنما dans la logique des choses, dans la logique des choses, ce n'est pas rien de faire un direct qui m'a et tous les jours. Et donc, il doit y avoir une compensation financière, un minimum. Un minimum. هذه مفروغ منها جيلو كاين حاجه بالك نقولها سي اون رياليتي و جي با tu n'as pas à le prendre mal parce que t'as un écrac tu vois كاين بالك هذيك تاع كاين عقليه تاع شكون راه مور جيلو وهذا اللايف لمن راه يخدم واش من لوبي وانا كيفاش نقول انا والله ما ظنيت جو بونس با كا ديجنا جو بونس سي بوكو بلو سامبل عليك حنا الجزائريين اسمح لي نفهمك موس ماشي كان راني نحكي لك على واش على بالي ما نحكيلكش على حاجه ابوبري هاو يعرفني دركا هذه ماشي تاع صح ولا ماشي صح نهضروا على شوف لي مونطاليتي وين يقدروا يروحوا دوك واحد يقدر يعاون كيما قال لك 300 يورو توتالور كاين اني نزيد نعاود لك ينحيها من اللحم باش يدير في التليفون تاعو لير تايم اللي يلزم باش يقدر يكون عنده الانترنت ويتبع هضر واش حبيت وما يبداوش من باب الساعه الاولى باش يصوفيو هذوك لي كلكو ميجا بايت اللي عندهم فاهم ودلوت كوتي كاينين شغل تاع كونسبيراسي تعرف العقليه كيفاه هذه سي بوسيبل تكون باسكو هذه سي اون نوفوتي ما كانش اللي يسمع ما كانش لايف هكذا سان اكزيست با لا توانسه لا مغاربه لا لبنانيين ضربه وحده سي با وما مشاك دير هذه سي ان بو حل سا سري سيمبا لو كان موس سي سي بوسيبل بالك كاش مدير لايف ولا زوج وين بالك لي روتارداتير ils auront l'occasion بالك de s'échanger